OMG? Ça s'est affiché? Non, j'ai fait sur Game Bar. J'ai fait clic Ok, c'est droit, ça. Bah rejoindre c'est le bon, jeu. tu l'as eu, j'ai vu, tu l'as eu, c'est bon. Ok, Là, tu vas déjà instant. let's go. Ah, j'avais peur que ça C'est bug. toujours un peu compliqué ça, mais une fois que Une ça fois s'est qu'on est rodé, c'est dedans, bon. c'est bon, quoi. Ouais. Bibi, t'as fait ce que je t'avais dit? Pour la Zedlan demain. Hein? Ah, je suis dedans, je suis dedans. Ah, c'est bon, au calme, au calme. Nickel, nickel, nickel. Ok, on va pouvoir commencer tout ça. Attends, je regarde. Another new face. That was quite the celebration when you arrived. I'm not surprised you don't remember. The Pirate Lord told me to expect you. I hope you're prepared for the adventure that awaits. And je trouve pas comment changer le micro. You'll need gold if you're to prosper. But attends, there are ways le micro, to see je crois que c'est dans Windows en fait. Ouais, le micro in-game, c'est ton périphérique de communication par défaut. Pas sur Windows quoi. Vas-y, parle-moi une game, Kamel. C'est quoi la touche pour parler? Je sais pas. Oh, c'est Alt. Ah, allô? Ah, nickel, on t'entend. On m'entend avec. Moi, tu m'entends? Tu m'entends? Ouais, je t'entends, je t'entends, je t'entends. Nickel, ok, il manque plus que Vivi. Moi, j'ai 27 000 coins, hein. Je suis un monstre. En bleu? Ah non, j'ai 5. Oh, merde. Je suis comment physiquement? T'es parfait, t'es parfait. Ok. Tenue, merci, merci. Ça, mais ok, Bibi, c'est toi qui vois si tu configures le micro, c'est pas trop utile non plus. Si configure, on sait jamais, on tombe sur des gens, c'est trop marrant. Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Donc, hésite, halt pour parler et je vais voir si tu t'entends. Ouais, Scarlett. Stand a bit closer, would ya? Thanks for visiting. Comment on prend ses armes et tout déjà? Ah, c'est bon. Ah, le micro il s'active sur la barre Windows, mais pas dans le jeu. Ah, mais t'as peut-être pas autorisé le jeu à utiliser le. Ah, ouais, au début il te demande. Ouais. T'as pas eu ça? Je crois pas. Ça y est, on t'entend, ça y est. Si, on t'entend. C'est bon, tu m'entends. Vas-y, attends, parle pas. Et là, c'est bon là. Ah, ça se voit que je sais me déplacer. Parle juste sur Discord. Ok, je parle sur Discord. T'es en voice activation. Ouais, ouais, vas-y, abuse. Ça frérot, tu peux pas. Ça, tu nous fais griller. Bah oui, parce qu'on va se cacher dans les bateaux des gens. Là, c'est bon. Nickel. Ok, les gars, alors maintenant, la première chose qu'on va faire. Oui, chef, oui. Prendre l'émote. Tu l'as déjà prise? Non, frère, je sais pas. Le pack furtivité, il est imperium, hein, Sandor. Venez là, venez là. Ouais, c'est ça. Quand déjà, j'arrive 2 secondes. Qu'est-ce que le pirate emporium, c'est ça? Voilà, et lui en gros tu vas dans Pirate. Et après t'as un pack d'émotes qui s'appelle Furtivité je crois. Et il est gratos. Alors je vais te donner la page parce que. Pirate. Oh, y'a 20 pages. Ouais, y a beaucoup de pages. C'est devenu un jeu cosmétique, t'as vu, donc. Enfin, ça a toujours été un jeu cosmétique. Ah, j'ai 0 de toute façon. Ouais. Putain, je sens que la soirée va être dingue. Je me suis fait ouais, une collab avec Jack Sparrow. Ouais, il y a une quête, il y a une full quête de Jack Sparrow qui est vraiment stylée. Attends, mais elle est où le. Je crois qu'il faut payer, hein, page poteau. 9, page 9. Ah, je l'ai loupé, merde. Lot d'attitude, furtivité. Voilà. Merci, gars, vous avez géré. Mais il faut payer, hein. Combien? 3,49€. Non, ta furtivité est dedans et il est gratuit. Dedans, t'en as un ah qui est ouais. gratuit. Ah, c'est juste celui-là qu'on doit prendre? C'est juste celui-là, t'en as rien à foutre du reste. Oh, j'ai eu peur. T'inquiète. T'es sûr que les autres ils peuvent pas marcher? Non, les autres sont pas. En fait, mec, y'en a qu'un seul qui est giga autiste. Ok.
Donc maintenant, on va le mettre dans votre barre d'émotes et après, je vais commencer à vous briefer. Donc, je vais vous donner les spots, je vais vous donner où on peut se cacher, par rapport à quel type de bateau, et je vais vous donner aussi les clés de Sea of Thieves. Comme ça, vous avez clé en main, les gars, vous pouvez tout niquer. Okay, let's go. Ouais, je suis trop motivé. Ok, alors on va aller là. C'est moi... la malle d'accessoires, c'est ça? Malle, ouais, d'accessoires. Ouais. Tout en haut, tu appuies sur E, tu sais, pour arriver au, yeah, tout dernier truc. C'est attitude. Attitude. Dans attitude, page 2, ta furtivité, tu veux le mettre quelque part. Donc tu cliques dessus, tu le mets où tu veux. C'est quoi la touche là? C'est quoi le plus simple? C'est en haut, non? C'est toi qui vois. Moi j'ai mis. Mec, moi je suis un débile, j'ai mis en diagonale gauche, tu vois. Ah, ok. Mais attends, mais on peut même donner un raccourci maintenant au truc? Ah ouais, donc quand t'appuies sur le truc, tu peux directement. Oh, je vais le mettre sur le bouton de la souris. Ouais, tu peux, ouais. Ah non, mais je pense pas en fait. Je te recommande de le garder. Ouais. Le bouton de souris, je te garde. Ouais, pour les armes, pour les armes. Okay. Pour la nourriture. Ah, ok, chef. Donc là, prenez des bananes là dans le tonneau. Donc c'est tout bon pour toi, Bibi aussi? Ouais, c'est bon. Okay. J'ai pris 5 bananes. Vas-y, prends des bananes là, dans le tonneau. Attends, c'est quoi la touche pour faire les émotes? Je sais pas, c'est quoi la touche? W, je prends par défaut pour rester appuyé. Ah ouais, W, c'est injouable. Moi j'ai mis K, frérot, t'imagines même pas la gueule que j'ai. Bah, ah ouais, mais je suis testé. Ok, donc là c'est bien. J'ai 5 bananes, je crois. Ok, alors venez en bas. Okay. Donc là on est sur une brique, donc c'est 3 joueurs, ok. Et donc là c'est bon, vous avez vu, là il y a des canons, donc ça sert à tirer au canon. Là il y a les planches pour réparer, ok. Bah, ça on connaît, je pense. Ok. Réparer, donc c'est bon, écopé, y'a pas de c'est problème. C'est là, aussi. C'est là, ouais. Hein? Kamel, essaie de me trouver? Ah, je t'ai déjà trouvé, ouais, j'étais à côté de lui. Ah merde. Non, mais y'a ton pseudo, frérot, laisse tomber, y'a ton pseudo. On pourra jamais faire ça. Attends, tiens, bah, vu que vous êtes excité, on va aller dans les paramètres, échappe paramètres. Ouais, on est excité. On va où? Échappe paramètres ATH. Okay. Échappe paramètres ATH, oui, chef. Vous descendez un peu et dans plaque nominative, il y a tout d'activé. Tout. Ouais. Non, j'ai remplacé les gamer tags. Activé, tout activé. Ok, tout activé. Tout. Parce qu'en gros, quand tu stream le pseudo d'un mec, eh bien, il y a des viewers qui vont le DM et qui lui disent, il y a un mec caché. Ah ouais, t'es une légende. Ok. Quoi d'autre à changer? Alors, dans paramètres vidéo, les gars, moi j'ai synchronisation verticale désactivée. Image des. Ok, je vais partir par en haut. Ok, 1080, plein écran, désactivé. Image par seconde, quadruple. 100. Ensuite, dans paramètres graphiques, là vous mettez ce que vous voulez, on s'en fout. La vue, par contre, vous mettez 90. Ouais. Ça, c'est la FOV. Ouais. Ouais. Ensuite, en bas, dans visibilité, vous désactivez le flou. Désactivez les tremblements d'écran. Activez, désactivez flou. Activez tremblement d'écran. Hein, attends. Activer le flou et... Ah oui, ok. T'actives les trois. Ok, mais my bad, je suis con. Non, mais okay, c'est bon. Sont cons, mec. Ils ont mis désactiver. Mais oui, pourquoi désactiver l'activation? Bon, c'est pas... Ouais. Voilà, ensuite... Senna, tu me dis si j'oublie un truc, hein. Ouais, je regarde en même temps. Ah oui, alors, la clavier-souris, très important. Ouais. Donc, sprinter, bah, là, vous mettez ce que vous voulez. Il y en a un qui est très important, c'est de mettre la roue d'émotion. Donc ça c'est bon, ça vous convient, W, gardez W. Moi j'ai mis d'autres trucs en W. Ouais, attends, roue d'émotion, ça on va mettre... Oh, je vais mettre T, moi. Ouais, c'est bien, de toute façon t'as pas besoin du chat textuel. Ok. Les armes 1 et 2, bon c'est bon, ça switch bien vos armes. Ouais. Ok, ensuite on descend. Vous m'arrêtez, hein, si je vais trop vite. Non, t'inquiète. On est des gamers, mec, on va vite, nous. Hein? Quoi? Si on est des gamers, on va vite. Nickel. Dans raccourci d'objet, alors c'est là qui est important. Donc le saut, c'est important de le binder. Moi, il est en 4 par exemple. Comme ça, tu le sors très vite. Parce que quand il faut écoper, le navire, quand on coule par exemple, il faut écoper vite. Tu vois, donc il faut vite prendre ton saut et hop, tu sors de l'eau. Ok. Nourriture, c'est le truc le plus important. Moi, je l'ai mis sur le bouton de souris du pouce. Ça c'est le plus important, c'est ouais. Tout le gunplay est basé aussi là-dessus. Okay. Instruments sans branle, lanterne, j'ai mis B, mais bon ça peut être utile dans tous les cas, vous pouvez le sortir avec la roue, il n'y a pas d'urgence. Objet à lancer, il faut mettre un truc bien, parce que en gros c'est les grenades,
Et ça, ça sert en gunfight par exemple? Bah, on met G, hein. Y'a rien sur G. La planche, c'est bien aussi pour réparer. Merde, attends, putain. Je suis mort. J'étais dans... Comment t'es mort? J'étais dans l'eau, y'a un requin, il m'a tué. Ah merde. Non, mais c'est pas grave, t'inquiète, t'inquiète. Attends, mais on aurait plus de raz. Quand vous êtes mort, libérez pas l'esprit tant qu'on peut vous raise. Surtout en infiltration parce que on a, c'est one shot. Hein. En infiltration, tu meurs, tu t'attends tes potes jusqu'à la fin. Genre c'est. Ok. Donc faut jamais mourir les gars, c'est extrêmement hardcore là. Ok. Oui, là, il a pas assez de doublons les gars. Il a pas assez de doublons pour les modes tombe. Alors tu vois, Bibi, c'est bien ce que tu fais, mais généralement tu veux toujours te mettre dos à sur quoi tu te caches. Par exemple là, tu vois, tu t'as choisi de te mettre comme ça. Il faut te mettre comme ça. Ok. Et là, t'es. En fait, tu vas dans la ligne du truc. Ok. Si tu coupes une ligne, tu sais, par exemple, là, sur le. Tu vois, par terre, eh bien, t'es plus visible. C'est tout un art, les gars. De... Parce que des fois, tu te caches sous le nez d'un mec qui capte pas. Hein, vraiment. Parce que. Ah oui, on va changer tes vêtements. Essaye de t'habiller, genre, comme moi. Tu peux, normalement. C'est tous les vêtements de base. C'est dans cette malle-là. Moi, je suis bien habillé, moi. T'es dans la quête ? On va changer ton manteau après. Mais attends, viens, finis les settings. Viens, finis. Vas-y. Donc, clavier souris là, vous avez bien mis un truc dans. Vous avez mis ce que vous voulez là dans. Attends, dans la grenade, je change. Ouais, moi j'ai mis. Ensuite, on descend encore dans. Attends, je descends. C'est où la sensi ? Ok, c'est bon. C'est dans commande maintenant. Ouais. Dans commande, j'ai non. Ouais. Ensuite, j'ai sensibilité, j'ai mis un 7. C'est vous qui voyez. Sensibilité, c'est pas très grave. Mais par contre, sensibilité de vision tromblon, 10, ça c'est obligatoire. Tu mets 10, 4 fois. Ok. Obligatoire. Ok. Pourquoi Parce qu'en gros, quand tu zoomes avec une arme, ta sensi elle est méga ralentie. Et si tu mets pas 10, bah c'est. Ok. Voilà, et là, la sensi, vous mettez ce que vous voulez. Et une fois que vous êtes prêt, les gars, je vais changer la tenue. Et là, je vais commencer à vous apprendre les spots. Let's go! On y va, je change la tenue. C'est bon, on est prêt. Attends. La tenue, hop. Alors, bouton de la souris haut, saut. Bouton de la souris bas. Regarde-moi bien. Ouais. Tu veux, genre, juste des bottes noires ou pas de bottes du tout. Le même manteau que moi, vous l'avez tous, c'est le manteau gris de base. Et un pantalon noir si vous avez, ou marron. Alors, attends, pas de bottes, je pense, on se met pieds nus. Ouais, sauf si t'as des bottes noires. Ah, j'ai les bottes noires. Ok. Pantalon noir, celui que j'ai, c'est ça, c'est bon. Ceinture, il faut mettre ou pas? Non. Ah merde. Comment j'enlève? T'as une flèche normalement, flèche blanche. Aussi. Attends, bot, ça fait du bruit sur le plancher, vous confirmez les gars? Les tryhards là? Oui. Sérieusement? J'en avais plus de bruit? Il faut mettre. C'est plus distinctif en fait, le bruit. Ok, j'enlève les miennes. Il faut mettre les gants ou pas? Les tryhards! Les gants, tu peux les retirer, ça sert à rien. C'est bon, là je suis. Et pour la chemise aussi, tu la retires. Ouais, normalement, là t'es torse nu, t'as juste une veste, un fut, des chaussures, et voilà. Non, pas de chaussures du coup, vu que ça fait du bruit. Ouais, pas de tu peux les retirer là. T'as pas un pantalon, Bibi? Non, j'ai pas de pantalon mort. Les cheveux, Kamel. Ah merde, désolé. Ok, je change mes vœux. Petite coupe. Là, toi, tes cheveux sont parfaits, Bibi. C'est juste le pantalon, frérot. Si tu pas un pantalon noir, ce serait top. Et c'est où pour changer les cheveux? Mal d'accessoire. Mal d'accessoire, juste à côté. Le tout petit truc. Petite teinture. Chauve, ça marche pas? Ah non, parce qu'on voit mon crâne. Chauve, ça marche aussi, frérot, mais. Le problème, c'est qu'il est pas noir, le pantalon. J'ai que celui-là, moi. J'ai rien d'autre. Celui-là? Ouais, j'ai rien d'autre. Et pourquoi j'ai pas d'armes, moi? Enlève-le. Tiens, ici les armes. Ici, là. Mais quand je fais 1 et 2, ça met pas mes armes. Ça veut dire faut les rebind. Ouais, ok. Ouais, c'est pour ça que je t'avais dit de tester ça. Ouais, my bad. Ok. T'inquiète. Alors, emplacement 1. Ok. Putain,
pas, ça marche pas, ouais. C'est pas ça? Ok, j'ai dû me tromper. On est bientôt prêt, les gars, on est bientôt prêt. C'était pas ça? C'est quoi alors, wesh? J'étais 7000 bots. Armes 1 et 2. Ok, ils sont ah. Bien. C'est bien. Putain, je crois que t'as le meilleur perso, Bibi. Je crois. Ouais. Eh ouais, je suis plus furtif. Ok, vous êtes prêts, les gars? Je suis prêt. Alors, prends pompe snipe. On les fait jouer pompe snipe? Pompe snipe, ok. Ouais, pompe snipe. C'est là, Arsenal. On joue pas à l'épée? Bof, l'épée, frérot, c'est un peu claqué, quoi. Okay. Tromblon, c'est un pompe, c'est ça? Ouais. De toute façon, tu peux pas te tromper, il y a que 4 armes. Ok, les gars, alors maintenant, donc vous avez tout ce qui est... Tout est bon. Vérifiez bien votre bind de manger, là, pour les bananes. Ouais, c'est très bon. Important. Saut, banane, c'est bon. Ok, alors maintenant, je vais vous donner... Donc là, c'est un brigantin. Donc imaginons, on tombe sur un brigantin. Ok. Y a plusieurs endroits où se cacher. Ok, donc les échelles, vous connaissez la mécanique des échelles. Quand t'es dans l'eau et tout ça, c'est bon, tu montes l'échelle. Ouais. Ok, donc y a pas grand chose que tu puisses faire là-dessus. Quand tu sors de l'eau, là comme ça, quand t'es dans l'eau, écoutez bien les gars, écoutez bien. Quand je vais monter sur l'échelle, ça fait un bruit. T'as entendu? Refais. Là. Ouais. T'entends? Ouais. T'entends Bibi toi? Bah, j'entends le bruit de lui qui monte, quoi. Le bruit, ça. T'entends un bruit, quoi. Dès que j'attrape l'échelle, il y a un bruit, les gars. Et ce bruit-là, il faut le retenir de malade parce que quand il y a un mec qui attrape ton échelle, tu te mets comme ça avec le pompe et boum. À chaque fois. C'est le truc le plus important à bord d'un bateau. C'est. Vous entendez pas? Vas-y. Non, no joke, j'entends pas. No joke, j'entends rien. Vas-y, descends, prends l'échelle. Regarde, je te dis quand tu le prends, Kamel. Vas-y. Là, t'as pris. Non. Hein? Ah là t'as pris. Ah c'est le tout, c'est ça? Ouais. Refais. Je monte le son alors, attends. Attends. Ça les gars, si vous entendez pas, vous avez un problème de son. Bon. Je refais. Ah là. Le drr. Non, 3, 2, 1. T'as entendu là? C'est le bruit de l'eau, ils disent. Mais non, c'est pas le bruit de l'eau, les gars. Si, c'est le bruit de l'eau, mec. 3, 2, 1. Ah si, mais j'entends fort alors. Ouais, bah c'est bon alors, ok, c'est ah, bon. Ah ouais, c'est non, parce que, non, mais parce qu'on parlait d'une échelle, ça... Merde. C'est pour okay. Ça, ce bruit il est très important, ok les gars? Ah ouais, parce okay. Que du coup, nous on le fait quand on monte à bord d'un bateau ennemi. Ouais. Donc nous on fait ce bruit. Donc les gens connaissent tous ce bruit et du coup ils checkent les échelles. Donc ça, c'est vraiment le truc le plus risqué à faire, c'est quand on attrape une échelle, on l'attrape tous ensemble, on monte tous ensemble. Enfin, il y aura des circonstances. Mais ça, c'est très important que vous sachiez ça. Donc à la base, pour défendre notre bateau, mais aussi quand on attaque, du coup, bah on est. On se fait griller à un certain moment, tu vois. Ok. Ensuite, quand t'arrives sur une brigue, imaginons la brigue elle est vide, les mecs sont sur une île en train de faire la quête. Et la brigue elle est. Donc là on a le temps de s'installer. Tu descends, vous descendez. En sprintant, vous arrivez ici, tu te colles ici. Tu te colles ici comme moi, le dos. Ouais, le dos. Et dos. Tu fais ton emote. Dos au truc. Ok. Si tu te cales. Oh merde. Alors justement. Faut pas avoir d'armes sur les motes. Tu cliques pas sur les motes. T'as juste besoin de tu relâches avec ta souris dessus. Mais là, je l'ai fait les motes. Pourquoi je vais bouger 200 bombes perso? Non, il est bon là. C'est bon. Ah, ok. C'est bon. Là, vous êtes parfait. Ok, ça, c'est la première cachette à bord du. Et attends, question, Loc. Quand on est sous émote, est-ce qu'on peut bouger la souris ça? Tu peux bouger la souris. Ok. Et au bout d'un moment, quand t'es en émote, imagine, genre là, ça fait 15 minutes qu'on est infiltré. Il faut se relever de temps en temps. Et pour se remettre, sinon tu es déconnecté pour AFK. Ok. Donc ça, c'est la première cachette. C'est la cachette un peu top tier qu'on a parce que c'est l'endroit le moins checké. Les gens, ils viennent checker la map et en plus, on a une visibilité sur la map. Ouais. Ok. Ensuite, il y a une deuxième cachette. Imaginons celle-là, on se fait griller et on arrive à réinfiltrer le navire. Ouais. On peut se mettre ici. Donc tu te colles ici, celle-là un peu plus technique. Tu te colles ici, le dos contre le tonneau et tu te caches ici. Et attends, là, je descends. No joke, je vois ton pied. Hein. Tu vois rien, non. Tu vois parce que tu me regardes. Tu vois un pixel, genre. C'est vrai. Faites-le. Mais ouais, il faut faire attention. Et généralement, j'ai bien fait là. On éteint les lanternes. Nickel, les gars, nickel. Super propre.
Attention à pas être trop à droite, tu sais, genre là, imagine tu ouais. te mal sur le tonneau, t'es trop à droite ou trop à gauche, là tu vas pop. Ok. Donc il y a cette cachette. Ensuite, ensuite okay. y a d'autres cachettes où on peut se cacher dans les caisses. Par exemple, imagine là, tu vois, on tombe contre des noobs. Ça passera que contre des noobs. Là, vous pouvez vous mettre sur moi. Moi, je vais me transformer en caisse, par exemple. Et là, vous pouvez vous cacher dans moi. Le dos au mur. Toujours le dos au mur. Voilà. Et après, moi, je me mettrai plus en avant, tu vois. Je me mettrai comme ça si on fait cette tech, tu vois. Mais c'est ça, c'est vraiment si on tombe contre des noobs. Parce que ça veut dire les noobs, ils savent pas qu'il y a un tonneau ici, tu vois. Ouais, toujours dos au mur. Non, dos au mur, dos au mur, ouais. dos au mur. Et là, on ne verra pas. Bon, au calme. Donc voilà, ça c'est plus ou moins les cachettes qu'on utilise à la brique. Sinon, t'as contre les caisses ici. Mais c'est un peu désespéré là. C'est vraiment genre pour troller. C'est un peu désespéré. T'as d'autres cachettes, genre ici aussi, tu peux te cacher. Quand t'es en fight, tu peux te cacher ici aussi. Voilà, ça c'est les autres types de cachettes qu'on peut utiliser. Mais sinon, là, je vous ai montré les meilleures cachettes. Après, il y en a une autre, c'est une masterclass. Là, vraiment, c'est en haut. Ouais, en haut, tu te mets sur un canon. Donc n'importe lequel, mais généralement, tu prends ceux du fond parce que t'as vu, ils sont moins fréquentés. Tu te cales sur le côté. Alors cette fois, tu regardes un peu l'eau en biais. Non, ah non, ok. Ça t'évite. T'es cramé quand tu fais ça? Ah mec, 100%. Genre. Là, tu regardes un peu l'eau en biais. Parce que sinon, tu vois, tes yep, ils seront pas genre... Voilà. Tu es bien là ou pas? Là, c'est mieux, ouais, c'est nickel. Et tu peux encore... Tu vois, on peut encore regarder là si on veut vraiment opti de malade. En fait, quand je suis en émote, ma sensi, elle est tellement faible. Ouais, c'est normal. Voilà, attends. Non, Bibi, c'est toujours dos au truc auquel tu te caches. Toujours dos. Là, parce qu'en gros, là, tu génères plus de couleurs alors que ton manteau, quand tu montes ton dos, ton manteau, il est tout lisse. Ok. Mais là, t'as le mauvais canon aussi, t'as le mauvais côté. C'est pour ça qu'on prend tout. Ah les ouais, ce côté-là, ok. Ouais, mais on peut pas tout. Ah, il parlait à Kamel, il parlait pas bah à ouais, moi. Ah ouais, il parlait à toi. Ah ouais, à pardon. Ah ouais, c'est toi, tu fais mal, moi je fais bien. Mais non, mais parce que t'as pas les pseudos, les gars. Parce que t'as le bon côté, wesh. Idiot. Ah ouais. Regarde. Et là, venez là. Il y a une dernière cachette ici. Ah, t'es bien caché. T'as vu ? Celle-là est vraiment bien. Et où ? Celle-là est vraiment bien. Ah oui, parce que personne va venir ici en fait. Si, ils viennent. Ouais, mais personne regarde derrière soi ici. Bah si, parce que quand ils se mettent à la proue et... Aïe. Alors ça frérot, entraînez-vous maintenant, parce que si tu tires sur un bateau, bon, alors qu'on est en train de s'infiltrer, là on est cuit, mais vraiment on est cuit. Genre faut se dire que les mecs ils font méga attention, mais vraiment. Non mais je veux pas tirer là, j'ai tiré pour le fun. Oui, quoi. Oui, ok, mais tu sais genre faut jamais, ça nous arrive hein, de fail. Ah ok. Ensuite on a une autre ici. Sur la brigue. Il m'a littéralement dit crie pas sur le bateau qu'on est. Arrête, ça peut arriver je pense. Ah oui, ça nous arrive hein, tous encore. Okay, là, y en a une ici au volant, les gars. Et celle-là, elle a l'air impossible mais elle est trop bien. Il faut la faire sur la gauche celle-là par contre. Ouais. Et sinon tu te mets au-dessus toi, non? Tu te mets au-dessus? Non, ça c'est sur la sloop que tu te mets au-dessus. Ok. Voilà, ok, donc ça vous avez les bases sur la brigue les gars. Attends, si je suis caché là et que le mec il navigue, il me voit pas, c'est une dinguerie. Non, il te voit pas, regarde, tiens le volant, regarde. Merde, tiens le volant, tu verras pas. Ouais, mais quand il lâche le volant. Non mais mec, il faut que tu fasses attention frérot. En fait, toi tu vois mon pseudo, donc ça t'aide tout de suite à me regarder. Ah, ouais. Toi tu sais que je me cache, lui il voit pas le pseudo. Lui il voit juste un truc traîner comme ça sur le navire frérot, il se dit ça peut être un coffre, n'importe quoi, tu vois. Il y a tellement de trucs qui traînent sur le navire. Là je l'ai mal fait là. Ouais, il faut que tu te mettes en biais. En biais. Ah, c'est beau le truc. Non, vas-y. Ah là c'est en face là. Le coup de main. En fait, selon le côté que tu prends, pour montrer ton dos, il faut que tu regardes soit à droite, soit à gauche. Presque. Il faut que tu regardes plus à droite. Ah c'est vraiment en biais, ok. Une fois que t'as maîtrisé ça, c'est bon. Ok. Nickel, c'est bon. Ok, j'ai compris. Ok, alors, l'encre, c'est bon, vous connaissez. L'encre, c'est un truc ultra important, généralement, quand on aborde et qu'on décide de fighter. Le premier truc que tu essayes de faire, c'est de descendre l'encre des mecs. Comme ça, okay. Tu les tiens par les couilles. Ok. Parce qu'une fois que l'encre, elle est ouais, bah, il bouge plus, quoi. Il bouge plus et tes potes ils peuvent arriver en bateau et les déglinguer. Ok. Donc c'est le premier truc qu'on cherche à faire. Quand un pote remonte l'ancre, il faut absolument tous aider sur l'ancre.
Donc ça, de toute façon, Len, n'hésite pas à nous guider, hein. Vraiment. Ouais, t'inquiète. Et puis, globalement, c'est tout. Après, il y a le nid de pie en haut. Mais ouais, ça, c'est pas... Ouais, après, à tout moment, il y a un mec qui monte et là-haut, t'es obligé d'être cramé, quoi. Pas obligé, mec. Les gens checkent de moins en moins. Parce que les gens, ils ont l'habitude à ce qu'on soit caché en bas. Okay. Donc, il y a peut-être un jour, si on doit le faire, on se cachera en haut, tu vois. Mais ça dépend des conditions à chaque fois. Ça dépend des trucs. J'ai une question. On va être combien à être caché? Tous, ok. 4. Bah ouais. Non, mais parce que j'avais déjà vu des trucs où il y a un mec qui est pas caché justement et qui suit en bateau de pas très loin. Oui, bah ça. Ah, okay. Ça dépend en fait de la quête. Ça dépend de la quête. Et ça t'inquiète, on s'en charge. Parce que c'est assez technique, faut comprendre ce que les mecs ils font, etc. Faut comprendre la quête, quel type de quête, est-ce que le mec il fait un fort ou un truc, et ça dépend de comment il joue aussi en face. Voilà, pas de questions là-dessus? Non. Pas de questions. Ok, les bananes c'est bien les gars, sautez tout le temps quand vous êtes en fight. Genre sauter, sprinter, quand vous pouvez pas recharger quand vous sprintez, donc attention. Et prendre le temps de recharger parfois tout en sautant, c'est cool. Et manger des bananes quand vous êtes low HP tout le temps, n'oubliez jamais ça. Il faut ça, manger instant ou genre attendre d'être tombé loin parce que ça régène pas beaucoup, je viens de voir. Imagine là je te mets une balle de snipe donc tu tombes à 10% HP. Ouais. Généralement t'as plus trop envie de fight parce que t'en avais 3 ou un truc comme ça. Tu commences à sauter comme un singe partout. Je fais que de sauter et je mange quoi. Ouais. Et tu sais, t'essaies de... Tu sprintes, tu sautes et après tu manges. Aller dans l'eau, c'est un big nerf, non? Ah, c'est la mort, c'est fini. Okay. T'es dans l'eau, t'es mort. Ok, donc ça c'est la brigue. Ça c'est on tombe sur une brigue. Maintenant on va aller sur une sloop. Donc va falloir me rejoindre. Je vais donner juste un truc. Ouais. Y a un ranking entre guillemets sur les fruits. Y a pas que des bananes. Ouais, y a des noix de coco, des grenades, des mangues et des ananas. Plus le fruit est entre guillemets élevé dans le classement, plus ça te régène. La banane c'est 20%, coco 33%, mangue 50%, grenade 40% et ananas c'est 2 crocs à 100%. Donc si jamais tu vois un ananas, tu le gobes instant. C'est pas un croc? Non, tu peux en manger deux. Ah oui, c'est 2 crocs. Ouais. Ouais. Ah, l'ananas c'est le meilleur truc que vous pouvez trouver en gros. Okay, okay. Ouais. Dès que t'as un ananas, tu croques une fois, ça te rend 100%. La banane c'est de la merde à chier les gars. Ok. De toute façon, vous partirez jamais avec des bananes. Vous aurez toujours d'autres sources. Ok. Bibi, tu peux regarder le stream de Kamel pour les spots? Je regarde. Ok, pour cache. Pour le... Ah là, faut que je cache tout là coup... Non, tranquille. Là, tu peux me rejoindre, Kamel. T'es chef. La banane, c'est claqué au sol, les gars. Faut jamais en manger. Noix de coco, c'est pareil. C'est que en cas de... C'est la base. C'est... Ouais, ça, c'est le petit truc que vous avez, quoi. C'est... Mangue, grenadine, genre truc rouge, grenadine. La mangue, bah tu reconnaîtras. Et ananas, là, ça c'est des trucs qui te rendent 50% HP quand tu les croques, donc c'est cool. Les gars, j'ai tout écouté, j'ai été très attentif. Je suis prêt. arrête, parce que quand tu fais ça. Quand tu fais ça, j'espère vraiment, parce que quand tu dis ça. Non, non, je te le jure. Ok. Je te le jure, je sais que t'as. Mais regarde, hier, j'ai fait ce que j'ai fait, on a fait top 1. Ouais, mais j'ai vu ton clip aussi hier, frérot. Bah justement. Mais ça, tu connais, mais pourtant c'est pour le contenu. Au fond de moi, réellement, je pensais qu'on allait faire top 1. Ok. T'as respecté le script. Ok, t'es là? Je suis là. Vas-y, arrête de me parler, toi. On peut faire pour qu'il arrête de nous parler? Ou on doit attendre? Oh, la sloop! Oh, je sais où il y a... Regarde, attends, laisse-moi... Ah non, vas-y, ça, c'est un petit bateau. Attends, laisse-moi pré-shot. Ok, on va faire un exercice. Ok, regarde, ici. Oh merde, ok, putain. Non, yes, c'est une clip. C'est une bonne idée, non? On va faire un exercice, frérot. Ouais. Imagine, tu connais pas les spots, t'irais où? Genre, te laisse le temps de faire un tour quand même. Ah, bah oui, c'est ça que je t'ai dit. Laisse-moi essayer de. Vas-y. Et là, tu trouves une nouvelle cachette God tier. Alors que nous, tu sais, on a tryhard genre 15 heures sur les bateaux. On va retourner le navire. Hein. Alors, Imo, une vers là ou là. Parce qu'il y a beaucoup de zones d'ombre. Là, je regarde en bas. Non. Ok, non. Merde. Là, on peut pas rentrer. Attends, laisse-moi regarder. Franchement, t'en trouves une. GG, mec. Parce qu'elles sont compliquées, hein, sur la sloop. Ouais, elles sont pas aussi évidentes que. Arrête, tout à l'heure, elles étaient pas évidentes. C'est juste que. Après, il y en aura qu'une. Généralement, il y en a qu'une seule qu'il faut que tu retiennes. Parce que on en fait toujours la même. Là, je regarde comment ça rend. Mais là, ça sert à rien, ils vont sortir, ils vont nous trouver. Ouais, c'est terrifiant. Non, ça sert à rien, je regardais juste.
J'essaie juste de trouver la zone où elle peut être. Ici, c'est mort. Ici, c'est nouveau. Il y en a plein, il y en a vraiment plein. Hein, ah, il y en a plein, ok, je croyais qu'il y en avait plein. Ah, il y en a plein, genre, il y en a. C'est net, tu compterais combien? Sur la sloop? Des cachettes? Ouais. Six. Viable? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, je me dis, là, les gens. 7, 8, peut-être 8 ou 9. Allez, trouve-en une sur 9 là. Non, attends. Pas dans le lit. Non, non, pas dans le lit, pas dans le lit. Il y en a 9. Il y en a 9, ouais. Avec les caisses tout en bas, Kamel. Mais ouais, il y a trop de coffres en bas. Je me dis, les gens, ils regardent en bas. Bah non, mais toi au milieu, comme tout à l'heure. Regarde, au milieu du bateau, il y avait un. En plus, regarde, Kamel, si jamais tu voulais faire celle-là, ouais. La fais pas comme t'as fait. Fais-la dos à ce truc-là, comme ça, regarde, t'es dans la ligne. Ouais, bah ici, c'est parfait, non? Non. Non, ok, non. Parce qu'en fait, je t'explique pourquoi c'est horrible. Quand t'es un ennemi, t'as pas un no-clip. Toi, t'as un no-clip sur moi. Ok. Mais quand t'es un ennemi, tu peux pas passer là. Là, ça bloque. Ah, ok. Et du coup, en gros, le mec, il regarde par terre, il fait qu'est-ce qui me bloque? Non, ici, c'est pas possible. Mais là, si, le mec. Ça, c'en est une. Ah, c'en est une. Mais là, ils viennent. Tu vois, ils viennent prendre. Mais non, mais parce que là, regarde, il y a tous les coffres. Non, regarde, tu te mets là. Tu te mets là. Ouais, c'est comme ce que ça, je viens de faire là. Et toi, ça. Ok. Voilà. Donc ça, c'en est une, ok. Ah, c'est vrai que quand tu... Là, j'ai fait... Ok, vas-y, fais voir d'autres. Tu vas en trouver une autre. Tu vas en trouver une autre. Vas-y, je vais en trouver une autre. Vas-y. Celle-là, j'ai trouvé. Ici, c'est sûr. C'en est une, ça, ou pas? Fais-la. Nickel. Ça, c'est la principale. Ok. C'est la principale, celle-là. Donc, c'est exactement comme ça, hein, ok. Ok. Vas-y. Je te montre les autres ou tu veux encore chercher? Non, vas-y, montre-moi. Donc ça, t'as le canon encore? Le canon, c'est vraiment bien. Ok, le classique canon. Mais t'es vite. Toutes celles que je te montre maintenant, t'es vite. C'est vraiment que si on est dans la merde, tu vois. Okay. En gros, je me place là et j'attends pour me replacer autre part. Celle-là, elle est incroyable. Bah, abuse. Je te jure, elle est incroyable. Tu serais surpris à quel point ça marche. J'ai jamais été cramé ici. Hein. Elle est incroyable, frérot. Vas-y, mets-toi au volant, vas-y, prends le volant. Non, bien sûr, vas-y. Admettons, j'avance et tout, tu vois, là, je fais ma vie. Mais tu me vois là ? Non, là, je te vois pas. Enfin, à part si... Mais là, j'ai un gros truc au milieu de mon écran, parler au collectionneur d'or dans la tente. Tu vois, il me dit ça. Sans ça, je vois un truc bizarre quand même. Ah, c'est encore le tuto ? C'est juste le premier truc, il prend le papier et je crois que ça... Vas-y, essaye de la faire. Après, on va prendre le papier après. Attends, merde, j'ai pas vu que tu regardais vers où. Je pense, attends, je vais essayer. Tu te mets droit. Bon. Ok, ça va. Essaye de toujours te bloquer, tu sais, quand tu recules, mais là c'est bien. Ok, je te montre les masterclass maintenant. Elle marche encore celle-là là? Laquelle, sur les voiles? Ouais. Bah regarde, normalement c'est bugué. Mais. Faut voir s'ils ont fixe. Oh, ça c'est une dinguerie ça. Ça c'est une dinguerie, frérot. Ça c'est la meilleure du monde celle-là. Ça c'est mais que si on a le temps ça. Celle-là elle est dure à faire. Ouais, il faut un peu de temps et elle est dure à faire. En gros, il faut vraiment que tu tapotes ton clavier. Oh, t'es pas si mal là déjà là. Oh, t'es pas si mal là. Vas-y, fais les mottes. Presque. Ouais, presque. En gros, là, tu vois. C'est clairement pas ce que tu faisais. Hein. Voilà. Là, je comprends. Faut que tu tapotes plus. Je pense que je l'ai là. Non, en gros, t'as un bout de bois à l'arrière. Faut que tu sois dessus déjà et que tu descends un tout petit peu. Et au bout d'un moment, tu sentiras ton perso, il tombe un peu. Ouais. Et à partir de là, c'est bon, t'es dans le trou quoi. Ah ouais, là, c'est bon. Là, je suis et en train... regarde l'échelle quand tu le fais. L'échelle. Ok. Là, l'échelle devant. L'échelle, ok, je croyais que tu parlais celle du bateau. Mais c'est pas si mal là déjà. Après là, notre jour, je suis pas cramé là. Ouais, mais en fait, tu peux l'optimiser en te collant ton dos. Regarde cette échelle là, celle-là. Ok. Voilà. Et là, t'es bon là. Nickel. Non, mais à tout moment, tu peux tomber dans l'eau ici. C'est ça le problème. Avec les vagues, tu vois, tu tangues. Et c'est comme ça que les gens ils te voient. Okay. Et tu vois, les gens ils attrapent ça là pour bouger les voiles. Ah. Quand ils visent là, ils te voient ta tête. Et c'est ça le problème de cette cachette. Ok. Et globalement, si on tombe là-dessus, on se cachera en bas ou au canon ou ici aussi, c'est pas mal. Ouais. Ici. Mais on doit split les cachettes ou être tous dans la même? Généralement, on prend tous la même parce que on prend tous le risque ensemble. Mais on peut split, mais ça c'est sur le galion. Je vais te montrer dans. Ok. Ça c'est le big bow. Celle-là, j'en ai oublié d'autres. Ah, si, j'ai loupé celle-là. Très importante. Très importante. Celle-là. Elle est sur le côté à l'arrière. Ouais, ça c'est la Senda. On l'a appelé la Senda, c'est celui qui a trouvé. La légende. Ouais. Wow, c'est la meilleure de toutes celle-là. Ouais, mais le problème c'est quand ils sortent de leur navire et qu'ils re-rentrent, c'est ça le problème, tu vois.
Attends, je viens vérifier. Non, j'ai raté. Je pense qu'il faut être en biais aussi. Non, là tu... en fait, tu te colles tout droit. Tu t'es droit. Attends, je gratte encore un peu des millimètres. Non, t'es pas obligé. Ah, ok. Sur celle-là, t'es pas obligé parce que là, tu dépasses. Alors qu'il y a un moyen de faire juste pour dépasser le moins possible. Mais en vrai, c'est pas mal hein, ce que t'as fait. C'est vraiment pas mal. Ok. Mais par contre, tu sors de l'extérieur. Donc, c'est toi qui choisis si tu veux être plus vu de l'extérieur ou de l'intérieur. Généralement, tu cherches le juste milieu. Bah, okay, en fait, c'est bon, Bibi. En fait, après, tu peux te déplacer. Ouais, c'est bon. Quand tu vois qu'ils vont s'arrêter, hop, tu te replaces et bang. Ouais, mais c'est toujours trop risqué, mec. Tu verras, t'as chaud quand même. Okay, t'as vraiment chaud, frérot. Ok. Faut juste pas vous rejoindre là. Ouais, c'est normal parce que c'est bloqué à deux. Bah vas-y, on va voir le galion et on démarre. Et là, on va voir le galion et on y va, ouais. Let's go! J'ai tout oublié. On a déjà un serve ou pas? On a déjà un serve galion, les gars, ou pas? Je crois que ça a wipe deux fois sur deux serveurs différents. Donc, je pense qu'il cherche encore là. Ouais. Le galion, je sais que je vais en trouver une de zinzin. Tu vas m'applaudir. Ah, franchement, il y en a vraiment beaucoup. Il y en a un milliard. Je pense qu'on peut même improviser là-bas. Non. Vas-y, moi j'en trouverai une et tu me diras, ok? Bah, franchement, là t'en trouves pas une, t'es mauvais. Non, mais là je vais te trouver une des meilleures. Ouh, frère, tu vois, si tu trouves pas, t'es mauvais, c'est tout. T'inquiète, je vais trouver une des meilleures. Mec, honnêtement, tu trouves une meilleure, je te donne 100 subs. Tu trouves la meilleure, je te donne 100 subs. Ok. Eh, Senda, on est d'accord que c'est celle-là la meilleure. C'est magnifique. Ah. C'est laquelle non, devant? Non, ça c'est trop dur. Tiens, je t'envoie un DM. Vas-y. Si tu trouves ça, j'ai le sens à vous. En vrai, s'il y pense, ouais, c'est balèze. Ouais, t'as vu? C'est impossible. Franchement, c'est impossible. Vas-y, vous pouvez me rejoindre. Ok, c'est bon. No triche, vous me connaissez, les gars? Je suis anti-triche. Non, mais de toute façon, tu peux pas tricher là, y'a que Senda. Sauf si Senda est DM, frérot, et là ça me plairait pas. Senda fait le bon. Senda, je te fais le casser, Senda. Senda écrit attends, chaud ou froid dans le chat. Si je me rapproche ou pas, t'as vu? Ah ouais, il faut que tu parles au collectionneur, Senda. Pardon, Kamel. Ouais, le collectionneur. C'est important? Ah ouais, oui, ça cache un truc. En ouais, fait. Comme ça vire ton truc de l'écran. Let's go. Oh là 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 là. Oh là là, j'ai trop hâte. Oh mec, là là. Je te jure, tu vas voir, le cœur il bat fort. Hein. Oh, j'ai trop hâte, c'est ce que je veux. Quand t'es dans le bateau, frérot, le cœur il commence à battre. Mais franchement, je te jure, merci de ouf. Inté, frérot. Je suis à côté du collectionneur. Another new face. That was quite the celebration. Le capteur BPM, moi, ce serait une bonne idée. Ah, ce serait une bonne idée, ça. Mais j'aime pas. Si ça montre à ton chat que t'es en stress et tout, ils en profitent, tu vois. J'aime pas. Ah, justement. Ouais, mais tu peux pas. Attends, retourne-toi. Collectionneur sur moi. Ah merde, ok. Ici là. Bonjour, monsieur le collectionneur. Attends, vous voyez mon pseudo encore ou pas? Ah, vous voyez. C'est Captain Adelaide. J'ai une place de fou. Vous allez jamais me trouver. Trouvez-moi sur le bateau maintenant. Je suis sur le bateau. Ah ouais? Et on voit ton pseudo en fait. Je suis sur le bateau. Bah ouais, mais oh tu triches. Oh, attends, mais. Eh, ouais, comment ça? Eh, j'ai trouvé ça tout seul comme ça. Parce que regarde. Eh, c'est une bonne cachette ou pas? Ouais, ouais. En vrai, elle était incroyable la cachette. Il est bon. Eh, ok. Je suis pas bête, hein. Ok, regarde-moi maintenant. Mais en vrai, c'est. C'est quoi ça? Non, ah mais attends. Ah voilà, toi aussi t'as compris, tu peux sauter sur les petits trucs là. Mais non, on peut pas. Attendez, je pense que tu peux. Parce que t'as... Bah non, il était... Là-bas, c'est ce que j'ai fait, j'ai réussi quand même. Ah ouais, c'est ça, la même chose là-bas, et là-bas c'est passé. Du coup, ici, je pense que ça passe aussi. Hein. Non mais vous êtes sérieux les gars? Quoi? Ah, tu vois, ça passe. Il l'a fait. Ah, il l'a eu. Ouais, il l'a fait. Je t'explique, j'aime pas la montrer en stream celle-là. Ah bah du coup, voilà, moi c'est celle-là que je voulais montrer. Ouais, mais c'est pas trop une cachette viable. Parce qu'en fait, c'est vraiment. C'est trop. Elle est trop dure à faire. Et imagine, t'es sur un bateau en mouvement, tu la fais pas. Et là, en plus, elle bug là, elle me fait remonter.
Mais celle-là, je préfère que vous la fassiez pas parce que vraiment elle est relou de ouf. Elle est dure, mais s'il y a un monde, si on a le temps et tout, on peut. C'était laquelle à 100 subs ? Bah, tu peux encore la trouver si tu veux. Ok, ok, vas-y. Parce que attends, au-dessus de ça là. Au-dessus de ça, ici là, Kamel, ici. Parce bah, qu'il y a un étage. C'est là que je viens d'aller. Les cachettes à l'extérieur, on va éviter, les gars, non ? Il y a plein de trucs qu'on peut se cacher à l'intérieur, tu vois, c'est plus safe. Il y a des tempêtes ici, et tout. Cacher. Oh là 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 là, vas-y, vas-y. Oh et là, là, on là, voit là, là, là. Alors, tu flottes un peu, frérot, donc c'est un peu. Ah ouais, c'est immense ici, sa grand-mère. C'est un peu chelou. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre. Tellement huge. Mais les gars, vous êtes faits pour ça, les gars, c'est pas possible. C'est bibi, moi j'ai rien trouvé, hein. Bon, attends, ici on peut pas rentrer, non. Après, ici pour moi, c'est sûr que ça passe parce que. Personne regarde ici. Personne regarde. Comment je suis ? Non, c'est de la merde. Par contre, à l'intérieur là, dans cette pièce ici, je. On va pas s'accroupir dans le jeu, hein. Non. Trash tier. Trash tier, c'est trop obvious. En fait, je t'explique. Ici, y'a rien là, en bas. Y'a rien en bas. Ah, tout en bas, y'a rien, ok. Ouais, ouais. Ah, vraiment, c'est à cet étage. Ok. C'est cachette de désespéré, frère, en bas. Donc t'en as une ici. Ici, c'est sûr. Okay, je t'aime pas la meilleure, hein, ok. Comme ça, si jamais tu la trouves, bah t'es un beau. Ok, ouais. Ici, là, on l'appelle aux munitions, d'accord. C'est les munitions parce qu'elles sont là, les munitions. Ah, en plus, tu peux recharger. C'est ultra utile, les munitions, ok. Yes. Ouais, j'ai essayé celle-là, Bibi. Donc tu colles, tu colles toujours. Les gars, regardez, faites-les parce que sinon quand faudra les faire en situation stress, vous allez pas les faire. T'inquiète, non, ne stresse pas, mais. Ouais, t'inquiète. Nickel, ok. Faudrait juste mieux se caler au milieu, mais c'est nickel. Ensuite, il y en a une ici, on aime bien la faire, mais bon, c'est assez rare. On se met ici, et là tu mets une caisse. Ah, y'a un mec qui se transforme en caisse et ok. Ouais, non, transforme pas en caisse, tu peux poser une caisse là. Tu peux ramasser les caisses par terre, okay. Et tu peux en poser une, genre un coffre ou une caisse. Caisse de munitions, caisse de planches. Ok. Ensuite, globalement, en bas, il y en a pas d'autres. C'est dans la salle. Après, de la map. T'as les canons. Les canons sont très très bien. Tu te mets au canon comme ça, le troisième. Les troisièmes canons, pareil, tu regardes un peu l'eau. Ceux-là sont très très bien. Ok, j'ai bien fait là. Nickel, parfait, t'es un maître. Let's go, c'est merde. Après, t'as le harpon. Le harpon, tu regardes un peu l'eau, pareil. Tu te mets en biais comme le canon. Ok, ah, celle-là, elle est incroyable. Celle-là, elle est très très bien, mais elle est risquée parce que les gens aiment déposer les coffres ici. Donc les loots, ils aiment bien les poser là, donc t'es baisé. Ensuite, la principale, les gars. Donc quand on monte sur le navire, la principale est là, les gars. C'est dans la chambre, là, ouais, c'est sûr. Là, ici, là. Tu te colles ici, sur l'armoire. Et tu te poses. Ouais, tout à l'heure, j'ai regardé ici, je me suis dit, c'était trop nul. Ok. Vas-y, essayez là, les gars, parce que celle-là, les gars, on va vous la demander plusieurs fois ce soir, je pense. C'est où? Tu regardes l'armoire? Non, tu mets dos à l'armoire? Dos à l'armoire. Regarde la fenêtre. Tu peux regarder un petit peu le rideau, même. Vraiment le rideau. Ok? Et après, t'as gagné. Le rideau. Après, t'as la derrière la chaise du capitaine, mais ça, c'était la première cachette hein, qu'on allait tous trouver, mais on évite maintenant parce que quand les mecs. Elle est trop connue? Elle est trop connue, ouais. Ok. T'en as une autre, elle est là, on s'habille tout en blanc. Alors ça c'est quand on gigatroll. On s'habille tout en blanc et tu te mets en poteau ici. Elle est bien celle-là, Bibi, ou elle a l'air nulle celle que je viens de faire là? Je sais pas, t'es où toi? Bah c'est moi que tu regardes là, imbécile. Ah c'est toi, ouais. J'ai cru que c'est... Ouais, on te voit. En vrai, je sais pas. T'es où Kamel? J'étais tu sais là, qu'elle là. Elle est bien en vrai Kamel. Kamel elle était où? Bien. J'étais là, j'ai où? Fait ça à peu près. Non, refais-le bien. Si t'as envie de te cacher là, ok. Bon, c'est trash tier, mais fais-le bien au moins, s'il te plaît. Non. C'est pas trash tier, le crois pas, t'inquiète. Non, mais après, parce qu'il connaît, il sait que là, c'est des. Je sais. Non, mais attends, Kamel. Ouais. Imagine, t'as besoin de te cacher là. Ouais. Fais-le bien, s'il te plaît. Bah là, je suis collé au mur, hop. Non. Attends. Non. Là, tu vois bien que c'est un espèce d'angle, donc il faut que tu combles l'angle. Ok. Moi, je ferai comme ça. Ah, ok. Donc ça, ton dos, il ressort. C'est pas, voilà, okay, c'est compris. Beaucoup mieux là. C'est moins visible quand ton dos, parce que ton dos il est lisse. Ouais, y'a pas beaucoup de. Ok, je comprends. Celle-là elle est bien, ici là. Il est où? Ah, elle est là. Ah, celle-là elle est incroyable, c'est la meilleure. Celle-là elle est bien. Essayez pas de monter sur les planches ici, les gars, ça pue la merde. Attends, comment tu fais celle-là?
Elles sont buggées les planches, n'essayez jamais de monter là-dessus, ok? Même en situation d'extrême urgence? Ah non, mais laisse tomber frérot, là tu... c'est terrible, c'est de la merde. Imagine genre t'as envie de choper l'échelle, tu sautes direct pour choper l'échelle. Genre quand le bateau il bouge, ton perso il se fait éjecter sur les planches ici. Ah ok, okay. Tu peux pas rester sur... Et je vous montre la deuxième cachette possible qu'on va faire. Bah c'était celle des 100 subs. Vas-y. Ok, venez. Donc ça en gros il y a deux cachettes quand on arrive ici, il y a celle-là, ok? Ouais. Celle de l'armoire, et ensuite on monte. Et ça c'est la meilleure cachette du jeu je pense sur le galion. Sauf qu'elle est risquée parce qu'elle est extérieure. Tu te mets bien au milieu et tu te caches là. Ouah, jamais je les aurais eu. Ok. Ouah, la cachette de fou. Bien au milieu, hein. Ok. Nickel. Vas-y, essaye. Attends, faut que je parle au collectionneur d'or là. Vas-y. Il est où ce bâtard? C'est lequel? Tout droit. Ouais, lui à gauche. Gauche. Ouais, lui. Ah, mais c'est le même en fait. Ouais, c'est le même. Tu dois acheter une quête peut-être, non? Ah, c'est ça en fait, ouais. Ah c'est bon. Désolé. T'inquiète. Viens juste me faire la cachette du volant et puis on est bon. Tu regardais où déjà? Nickel. Là tu regardes devant le bouteau, devant toi. Ok, bah c'est bon alors. En vrai il peut regarder derrière ça. Comme ça aussi ça marche. Ok, vas-y on y va. Let's go. C'est mieux de l'autre côté. Alors maintenant je te donne juste un tuto de combat, ok? Ok, tuto de combat. Alors là imagine je me fight contre, je sais pas, toi ou n'importe quoi. Ok. Donc d'abord j'ai mon snipe en main. Ok. Je tire une balle de snipe et je switch vers mon pompe. Des fois t'as des hit markers frérot et le mec sera pas touché. Ah. Mais d'abord tu tires ta balle de snipe. Ok. Et t'as vu le viseur du snipe, il est vraiment au centre de la cassure, tu sais. Ouais. De la fissure. Et après, tu switches ton pompe, le pompe. Tu vises tout le temps avec ton pompe. Ah, faut viser avec le pompe, ok. Tout le temps. Tu vises et tu tires. Sauf si vraiment, regarde, je suis à cette distance là de toi. Regarde. Je suis là. Si je suis là, t'as le droit de pas viser. Mais si je suis là, tu dois viser. Ok, ah ouais, ok. Vraiment, tu me passes à cœur là, ok. Ok, et. Enfin, en situation de stress, n'hésite pas à genre vraiment, au lieu de mourir ou quitte à mourir ou pas viser, bah tu vises pas et tu tires. Ça coupe le mec. Quand tu tires aux pompes, ça boupe les mecs. Donc imagine, il y a un gars, il est proche d'une échelle ou un truc comme ça, proche des bordures du bateau. Tu peux le bouper. Okay. Et comme ça, tu le supprimes. Parce que dès qu'il est dans l'eau, frérot, t'attends qu'il remonte l'échelle et tu fumes. Ok, ok. N'oublie pas de manger pendant les fights. Et là, on va y aller. Let's go. On va faire la première affile. Les gars, on a quelque chose ou pas? Ouais, ils sont en train de le setup là. On va juste donner, je pense, 5 minutes max. Ok. Donc il y aura d'autres trucs que je vais vous apprendre en attendant. Alors venez. Là attends, on va aller sur l'île, l'avant-poste. Donc tu vois sur l'avant-poste t'as plein de tonneaux. Faut toujours avant de rentrer sur son navire remplir ses sacs de tout ce que tu peux. Et comme ça en fait tu peux remplir les caisses du navire pour avoir plus de ouais de munitions, de trucs, ok. Tiens venez là, il y a les grenades là. Prenez une grenade là. C'est... Voilà, ça. Ça frérot, tu la jettes, ça TK. Donc ça, faut faire attention. Attends, avec la poudre dedans. Comment tu fais pour prendre pour ouvrir la roue des stuff déjà? Ça TK? Ça TK, ouais. Ah, c'est A, ok. Ouais. Oh! Je vais vous tuer, je vais rester caché tout seul, hein. Ouais, mais maintenant, attends, je peux vous taper, ça veut dire maintenant. Ouais, mais donc fais gaffe. Fais gaffe à jamais TK tes potes, ok? Ouais, non, t'inquiète. N'hésitez pas, en fait, en infiltration, on aura toujours des grenades. Soit explosif comme ça, soit incendiaire. Là, tu vois incendiaire. Regarde, wow, parce que je vais te regarder toi. Okay. Ah, ça brûle. Les incendiaires, les gars, c'est de la bombe atomique pour aborder un navire. Ok. Donc, regardez, il y a une tech qui est incroyable. Imagine, on nage là. Okay, on va souvent nager, les gars, pour atteindre l'échelle. Ouais, ok. Tu remplis ton seau d'eau. Ok. Tu prends ton incendiaire, tu vises l'échelle. Tu jettes ton incendiaire sur l'échelle. Genre un peu au-dessus de l'échelle. Pour prendre l'incendiaire, t'appuies sur tab, hein. Okay. G. T'as besoin de G. Ouais, non. Jette ton incendiaire en haut de l'échelle. En haut de l'échelle. Merde, ça approc, attends. Là, on monte. Et on monte dans le feu, les gars. En fait, là, regarde où il est positionné le feu. Le mec, s'il veut garder l'échelle, il se fait un peu brûler. Ah, souvent, ça décourage les noobs. Et après, tu prends ton seau et tu fais clic droit.
Ah merde, c'est clic droit, je suis con. Ouais, et ça te met de l'eau sur toi. Voilà. Bah ouais, il nous a rebrûlé. Ah, désolé. Ah, mais je fais clic gauche. C'est bon, t'as plus. Ok, c'est bon. Et toujours remplir ses sacs de bouffe dès que vous pouvez quand t'es sur avec le navire. Clic droit, Kamel. Vous savez où est la bouffe sur tous les navires? Ouais. Ouais. Ok. Très bien, très banana. Bien. Banana. Les gars, ça demande un peu de temps de préparation, mais ça y est là, ça y est, c'est bon, c'est fini, c'est fini. Donc maintenant, on va juste. La bouffe, elle est là. Regardez, je vais la one tap. Ok, c'est nickel. Ah oui, les harpons, vous avez vu ou pas? Vous savez comment ça marche? Non, j'ai jamais essayé ça. Ok. Bah, vas-y, mets-toi dans l'eau. Attends, je vais me mettre dans l'eau et essaye de me harponner. Tu me dis quand t'es bon, ok. Vas-y. Nickel. Et ça fait quoi? Ah, ça t'a ramené dans le bateau, je crois. Ouais, le bateau il brûle! Ouais. Ah ouais, attends, ça brûle comme ça? Avant, ça brûlait pas, non? C'est ultra cancer, ça, frérot. Ah mais avant ça existait pas ça. Non, ils ont rajouté ça mais c'est méga chiant. C'est méga chiant. Mais bon, heureusement nous ça nous concerne pas trop parce que notre bateau on l'utilisera pas beaucoup. Ok. Et donc quand on navigue les gars, c'est important de toujours faire un truc sur le navire. Ok, parce que là techniquement je suis en train de gagner du temps parce que là il y a un serveur qui est prêt, qui est en train d'être préparé. Et on va rejoindre le serveur. Ok. Mais toujours bouger les voiles les gars, dans le sens du vent, ça vous savez faire. Ouais ça on sait faire ça. Ouais. Orienter, toujours faire un truc. Si, toujours faire un truc, les gars. Si vous faites rien, y'a un problème. Ok. Après, ouais, des fois y'a rien à faire, non? Y'a toujours un truc à faire. Et est-ce qu'on sait bien de regarder à la grande loupe? Moi ou Len, on va le faire. Ça, ah, ok. Mais tu peux regarder de temps en temps si tu vois des navires autour, mais. Ok, voilà. Ok. Vas-y. C'est bon, Zena? Là il cherche la chaloupe. On peut le faire peut-être, non? Ça brûle. Ouais, de toute façon je pense qu'il ira là-bas et ce sera nickel. Je rejoins qui? Len. Je t'ai envoyé en DM mon pseudo Xbox. J'étais pas à toi? Non. Banana style l'arriva, activez votre page. Oh. Ok, c'est le squeeze de déco. Donc là c'est quoi? Là c'est quoi qu'on a là? Fort. Ouais. Les gars, vous êtes durs, le chat. Ils seraient durs. C'est normal. Ils nous expliquent tout pour pas qu'on passe n'importe quoi. En fait. Parce que comme ça, en fait, ben, vu que c'est un terrain qui ne change pas, ça va être assez simple en vrai. Ils auront juste à te suivre, tu te places, tac, tu fais un call, ils bougent, etc. Ouais, bon. Ouais, en plus, la chaloupe, on va docker, donc bon. On sera arrogant. Ouais, c'est ça. Je crois qu'il faut que tu m'acceptes et puis l'internet de. Mais wesh, c'est broken le. Les grenades incendiaires, c'est déjà, une dinguerie. Ils sont en train de chercher des trésors pour nous là. Allez, les gars, on bosse. On va chercher des trésors, frérot. C'est en train de chercher des gens. Là, on va voler des trésors à des gens là, non? Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, bah voilà. Ouais, mais c'est pas les trésors, on sait pas s'il y a des trésors. Ah. En fait, on sait qu'il y a des gens qui sont en train de farmer. C'est tout ce qu'on sait. Maintenant, ça peut être des gens qui baitent, ça peut être n'importe quoi. Tu m'as invité, Len? Ouais. Oui. Dinguerie. C'est parti. Ok, les gars, dès que c'est up, vous allez pouvoir me rejoindre. Et préparez-vous pour votre première infil. Let's go. Seul, Len? Seul? Non, on est deux. On se prend un bateau squelette là donc. Ça, ils arrivent à save. Les amis, dès que je me camoufle, tac. Explique le kraken. Je suis infiltré. Il y a rien à faire, qu'est-ce que je t'explique? Il y a un kraken, frérot, on est baisé. Non, mais on connaît. Il y a un kraken, on est baisé. En infiltration, vous avez vu infiltré. Le bateau en infiltration, voiles, infiltré. Tu veux quoi toi? Tu veux quoi? Ils ont régalé ou je rêve? Tu veux quoi toi? Vas-y, c'est bon, je débarque pas. Kamel, tu peux me rejoindre si tu veux? Ouais.
Ouais, je te rejoins, mec. Je dois rien montrer ou tu me dis hein, s'il faut que je cache Bon, en fait, juste évite de regarder les alentours. En vrai, regarde que l'intérieur du navire, tu vois. Okay. Sans regarder la carte. Genre, regarde pas. Ouais, ne jamais ouvrir la carte, déjà. La carte, ouais. Mais de toute façon, tu sais, la carte, elle est dans ton bateau. Ouais, elle est sur la table. Ok, ouais. Bibi, tu vas pouvoir rejoindre aussi. Les gars, voulez-vous rejoindre? Oui. Les gars, l'explication était longue, mais elle était nécessaire. Là, on a à peu près quasiment tout compris. On aura oublié quelques petits trucs, mais vu que tu vas call, ça va nous revenir instant en tête. Ouais, t'inquiète. Et après, là, maintenant, c'est l'heure du fun. En vrai, même pour vous, l'explication, elle est rentable, parce que sinon, tu regardes et je comprends rien. Là, au moins, tout le monde comprend. Ouais. Là, en fait, ce qui est le plus compliqué, c'est de comprendre les enjeux. Les enjeux. C'est genre faut connaître les coffres pour comprendre les enjeux. C'est ça. Mais là, généralement, tout ce qu'on fait, c'est au risque, au reward, ok? Ok. Genre, tout ce qu'on fait, c'est genre jackpot à chaque fois, ok? Ok. Nous, tu vois, genre, on s'intéresse pas trop aux trucs de merde, tu vois, genre, nous, c'est que les braquages de grosses banques. Ah, j'ai compris. Vous êtes des gros bonnets. Voilà. Voilà. Hop, là, on y va. Je suis là. Merde. Je regarde que le navire. Bibi, tu me dis si t'arrives à rejoindre. Ah, mais je suis là, moi, c'est bon. Ok, donc tout le monde est là? Ouais, tout le monde est là. Yes, sir. Len, tu pilotes? Je prends mes bananes. Non, là, je cherche une chaloupe. Mais y'en a pas. Waouh, y'a tellement de bananes! Y'a des larves. Je sais pas, moi, je suis sur l'île là. Y'a une chaloupe juste ici. Les sangsues et les larves, ça sert à rien de manger. Y'en a une. Ok. Mettez l'encre, mets l'encre. Je vais tout monitor là, j'ai tout. Les sangsues, tu. Fuck les sangsues. Lâche l'encre. Nickel. Les sangsues, tu t'en bats les couilles, ça sert à rien, frérot. J'ai pris que des ananas, c'est bon ou c'est pas bon? Non, y'en avait pas d'ananas. Si, y'en a full. Ah, c'est des noix de coco, my bad. Non, les noix de coco, c'est pire. Tu prends quelques grenadines et deux mangues. Ok les gars, on va lever les voiles. On va lever la voile à l'avant, s'il vous plaît. Oui, chef. Là, on va retourner, on va aller chercher la chaloupe, on va se positionner et on est prêt pour la piraterie. Ok, n'oubliez pas de recharger tout vos munitions. Tout en haut. Bien sûr, je vais recharger mes munitions. Ah, c'est bon, on peut repartir direct. On a la chaloupe. Ok, nickel. On va monter l'ancre, les gars, tous à l'ancre. Len call. Je suis à l'ancre. Je suis à l'ancre aussi, capitaine. Ok, parfait, les gars. Oh, on peut rabaisser les voiles. On a l'ancre. On rabaisse les voiles, capitaine. C'est déjà fait. C'est fait, capitaine. Nickel. Je suis la longueur du vent. Eh ouais, mec. Ok, qu'est-ce qu'on a, Len? Alors, on a un petit fort des damnés là, je crois. Ok, et c'est quoi comme loot un fort des damnés? Alors, il y a un coffre Athéna, donc le meilleur coffre du jeu dessus. Il y a deux coffres de la mort, donc qui peuvent être vendus au Reaper's Headout pour des doublons, la monnaie bleue du jeu. Et il y a pas mal de coffres, de gemmes, de crânes, de squelettes à revendre également. Ok, et environ, faut mettre combien de temps pour péter le fort? Genre. C'est entre 30 minutes un fort et... Alors entre 9 minutes pour les plus forts et plusieurs heures pour les moins aguerris. Chef, les moins aguerris, il a dit. Les moins aguerris là, les gros noobs, ouais, là. Chef, j'ai chargé tous les canons, chef. Non, jamais. Ah merde. Waouh, l'erreur qu'il a fait. Alors en gros... On peut relever la voile du milieu, les gars. Non. Levez les voiles. Et levez la voile du milieu. Désolé. Là, le but c'est de faire le moins de bruit possible. Frérot, il commence déjà. Mais il m'a dit. Vous pouvez relever la voile avant aussi et la voile arrière. Avant, relevez les voiles. Les gars, il m'a dit, ouais, il faut faire. Il faut tout le temps faire un truc sur le navire. Tu les retires, mais non, mais du coup. Tranquille, on va aller se mettre tout part. Désolé. Remettez la voile avant. Je remets la voile avant. Remets les voiles avant. Ok, c'est bon. Ouais. Je vais pas, je voulais gérer les voiles. Ouais, mais après on m'a dit de vider les canons, du coup je me dis je vais les vider.
Là, tu peux reprendre le boulet quand il est dans le canon. J'avais pas. C'est Brig? C'est Brig? Ouais, je crois. Bon les gars, c'est une Brig, ouais, ok ça. Donc vous rappelez la principale de la Brig. C'est en bas à côté de la carte, ok? Ouais. Ok. Et vous pouvez relever les voiles. Yes sir. On relève toutes les voiles, vérifiez bien qu'elles sont au taquet, donc vraiment tout en haut. Les voiles, relevez les voiles. Ah, c'est relevé. Relevez, pas descendre. Mais c'est qui a descendu ici? Levez les gars. Je peux jurer que c'est Bibi ça. C'est pas moi. C'est pas moi. Ok, les gars, écoutez-moi. Prenez tous des fruits là, ok? Vous avez tous des fruits? J'ai déjà pris les fruits. J'ai de la banane moi. Moi j'ai des non, mangues. Lâche les bananes. J'ai des grenades et des mangues. Prends 5 grenadines. Ok, nickel. Nickel, Kamel. Vous avez 5, hein, vous êtes stacké à 5. Ouais. Ok. Je répare le bateau. Ok, on va y aller, les gars. Vous êtes prêts? Là, ça y est, là. Vous êtes tous full vie? Ouais. Ouais. Ok, il n'y a pas de retour, les gars. Un fail, c'est terminé. Vous savez ça ou quoi? Oui, chef. Il n'y a pas de fail, mais tu parles à des experts. Non, ok. On va suivre tes calls là. Moi, je t'écoute, je fais tout ce que tu me dis. Ouais, voilà. Okay. Tu vas dire, va à droite, je vais à droite, c'est tout. Ok, suis-moi. C'est quoi ton pseudo? C'est Banane. C'est qui? Ouais, c'est toi, Philippe là, Martin ou c'est Calme Brumeux? C'est Banana, je crois, c'est Banana. Non, moi, on a pas les mêmes blagues. Ouais. Ah non, moi, tu t'appelles Crâne Brumeux. Je suis Crâne Brumeux. Ah ouais, c'est toi, Crâne. Vas-y, je te laisse pioter. C'est qui Philippe? Asseyez-vous, les gars. C'est avec les émotes? Non, tu regardes par terre là et tu t'assois. C'est qui Philippe? C'est moi. Philippe, c'est Len. Nickel. Ok. Les gars, ok, on est en route pour l'infiltration, d'accord? Let's go! L'infiltration d'un fort, mon frérot. Alors, ok, l'infiltration. Le navire, il est AFK en train de tuer des squelettes. Ils doivent tuer un squelette boss. Une fois qu'ils ont tué le squelette boss, un coffre, ils débloquent une clé. Avec cette clé, ils ouvrent le coffre de l'île. Et dans ce coffre, il y a un coffre Athéna, le plus rare du jeu. Et environ, combien? 150 000 balles de loot, c'est ça? Ouais, un peu comme ça. Ok. Donc ce qui est pas mal, vous avez combien de thunes là, les gars? On a vu sur échappe. J'ai 26 000 balles, moi. Okay, j'ai 0, 5, 0. Ok, bah tu vois, là tu vas avoir 150 000 balles si on le fait. Ok. Ah bah faut le faire, les gars, là j'ai rien, moi. Je suis à sec. Ah, il a plus rien là, les gars, faut l'aider. Moi, 26 000, ça va vite, hein. Vous m'avez filé un peu, rien, personne. Après, faut bosser. Frère, vous êtes. Ah, je sais pas, hein. T'as rien fait, tu veux. Même Phil, hein. Regarde Philippe Miskin, il a rien aussi. Mais non, il fait genre. Lui, il a rien. Mais Philippe... C'est normal, frérot, c'est normal. On est des brigands, frérot, on est des Philippe, brigands. Philippe, il fait genre, il est trop riche. Donc là, le moindre fail, les gars, on est baisé. Ok? T'inquiète. Donc là, faut pas se faire voir, faut pas foirer son émote quand on est en haut. Ok? Faut vraiment écouter ce qu'on va vous dire. Et quand il faudra fight, parce que les gars, va y avoir un fight. Quand il faudra fight, faudra rester ensemble. Ok? Mettre des bons tirs de snipe, parce que ça met la bonne pression, c'est les bons tirs de snipe. Mangez tout le temps quand il faut, les gars. Prenez le temps de recharger votre sniper aussi. Ça fout une pression énorme, le sniper. Vraiment. Et on a souvent tous envie de jouer aux pompes, tu vois, pour se débarrasser très, très vite des ennemis, mais en team play, c'est bien de jouer au sniper, ok? Ok. Et n'oubliez surtout pas de manger, les gars, sauter partout, jouer ensemble. Si on décide de jouer ensemble, on joue tous en haut. Y en a pas un qui descend. On va devoir brûler leur bateau, non? Une fois qu'ils seront arrivés à la. On a tout ce qu'il faut, frérot, pour les exploser. Sache que dans le fort, il y a des barils explosifs, ok? Généralement, les gens les font péter dès qu'ils ouvrent le fort, ils les font péter, les barils. Ok. Ils les ramènent jamais vers le bateau. Mais s'ils sont arrogants, frérot, donc ils se pensent chaud, tu vois, ils se croient chaud, ils ont envie de plus de loot parce que quand tu vends les barils, t'as ma stune aussi. Et bien là, c'est un plus pour nous parce que nous on a juste à tirer dessus et leur navire il éclate d'un coup. Okay. Sauf que si on tire sur un baril, les gars, on le fait ensemble, on colle parce que sinon on va TK. Sinon on va s'exploser aussi. Il fait vraiment. Ah, le baril, frérot, il déconne pas. Ça fait putain d'explosion. Ok. Allez, là, on a fait tout cet entraînement, c'est pour maintenant, les gars. Les gars, je peux pas mettre d'OST, il y a un problème avec la rediff, désolé. Reaper 4, Salen? Ouais. Reaper 4. Je sais pas ce que ça veut dire.
Reaper 4, ça veut dire qu'il est affiché sur la map. Donc en gros, genre il annonce sa position à tout le monde sur la map, mais du coup il gagne deux fois plus d'or. C'est des vrais bonhommes quoi, ils ont peur de rien. Mais. Ouais, c'est ça, c'est des bonhommes ou des farmers. C'est quoi cette strat? Tu dock pas? Ah, tu veux dock? Ah, tu fais comment toi? Tu fais comment? Ouais, on passe par derrière, je pense. Et puis les trains, on peut où il y a quelqu'un qui surveille le bateau. Là, on est à l'avant du bateau? Ouais. Ok, vas-y, passe par derrière. C'est là. C'est quoi normalement qu'on fait? C'est quoi la méta, les gars? En vrai, on reste dans la chaloupe, hein, je pense. Hein. Ouais. Quoi? Le mieux, c'est de pas aller dans l'eau, si vous pouvez, pour pas faire trop de bruit. Et on peut longer sur les cailloux. On doit se lever là, on reste là. Faut attendre, en fait, dès qu'il y a du bruit, venez. on peut se cacher. Ouah, comment j'ai la pression d'un coup là? Et dès qu'il y a beaucoup de bruit, on peut y aller. Dès qu'il y a beaucoup de bruit, on y va. Ouais, t'inquiète. Je vais pas tirer. Attends, on peut enlever la musique de merde là? Enfin, pas de merde, la mais. La musique, elle m'a mis la pression direct. Est-ce qu'il faut l'enlever? J'ai un paramètre audio musique. Il faut l'enlever, absolument, non? Bah, t'inquiète, on gère. Tu peux l'enlever. Mais la musique, elle met trop de pression. Bah, ouais, mais après, t'entends pas les bruits, ouais. J'ai peur de cliquer. Non, la musique, t'inquiète. Volume des chants. Tu la mets à zéro. Nous, on la garde pour savoir quand le fort est terminé. Donc, t'inquiète, on gère. Alors c'est moins spectaculaire là les gars, là c'est vraiment maxi trailer. Tranquille, j'ai entendu une balle de tir, ça veut dire ils sont là. Ouais, ils sont en train de tuer les squelettes sur l'île, ok. Ouh. Ça c'est un canon, ça c'est une propulsion, donc les mecs c'est... Ça c'est le bruit des noobs. Mec qui se met dans un canon. Ça c'est les noobs parce qu'il est mort et du coup il a dû se projeter là-bas. C'est ça. Entre autres, ouais. T'as, j'ai ou sinon il est juste allé rechercher des munitions. Ah non, il est trop nul et il est mort, je te le dis. Non parce qu'il y en a eu deux qui sont revenus. C'est probablement le cas. Aussi, ils sont tous morts. Et j'espère pour nous. C'est pas trop risqué de se cacher à côté de la chaloupe comme ça, là? Vous faites tout le temps ça? Non, mais ça dépend, mais là en fait, vu qu'il y a aucun bruit sur l'île, faut faire très attention. Ah, ok. Bon, en gros, je vous explique. Len et Senda, ils ont continué à voler des coffres. Alors, moi j'ai AFK pendant un an, donc tu vois, genre, je connais pas trop la méta actuelle. Parce que là, aujourd'hui. Et là, on peut se lever, on peut longer là. Venez. On longe. Oula. Ne courez pas. Ne sprintez pas dans l'eau. Ouais. Sprintez dans l'eau. Ok. Juste avancez tranquillement. Mais regardez, on a un baril ici, souvenez-vous. Ok. Ouais. Ça peut être utile tout à l'heure. On peut se donner rendez-vous, genre au baril. Bon. Là, on peut avancer. Nagez, allez sous l'eau. Nagez sous l'eau, les gars. Y'a de l'endurance sous l'eau? En fait, au bout d'un moment, faut remonter. Et ça s'entend de malade. Ok. Donc, dès que tu vois Philippe remonter à la surface, tu remontes. Là, vous sprintez là? Oui. Parce que là, il y a une sirène, donc faut vite qu'on aille monter sur leur bateau. Ouais. Oubliez pas, avant de monter à l'échelle, essayez de sortir votre pompe et de viser. On est vu. Vas-y, Len, j'ai l'agro. Ok, les gars, montez à l'échelle, c'est l'heure du fight. Go. Déjà? Info, Len. Il est mort. Ok, là on peut tenter de se cacher en vrai. Vas-y. On peut okay, tenter. Ça c'est un move très argant, messieurs. Est-ce que je vous... On peut tenter. Prenez celle que je vous ai appris, les gars. Celle dont je vous ai appris. Ouais, bonne chance. Vous êtes bien speed, c'est bien. C'est très bien. C'est un jeu speed, les gars. Allez, let's go. Ça les gars. Oh là là. Ce qu'on vient de faire, c'est le bio move. Voilà, je vous dis. Bah parce que là on l'a tué et on s'est caché sur leur navire. Ils sont pas cons. Et généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire un sacrifice. Len. Ah, faut qu'il y ait un mec qui meurt. Il est là. Nous, il nous a pas vu. Len, fais pas de sacrifice. Okay. Mais vite, t'es caché avec moi. Je sais pas si c'était des deux. Ouais, en face entre le tonneau et la prison. C'est vous, oui. Il y a le deuxième. Ah, il vient de passer. Il y en a devant nous. Ça va. Ils ont pas vu. Et ça va pour le moment. Yeah, let's go. Ok. Les gars, j'ai l'impression que c'est clean. J'ai l'impression qu'on est clean. Je crois qu'on s'est bien caché, Bibi. Hein. J'ai bien l'impression aussi. Les gars, je suis fier de vous. Eh, hey, il est juste là, sa grand-mère. T'as dommage, il parle pas. Il regarde. Non. Il est là. Il va check. Mais du coup d'épée. Ok, ça va. Ah. Il nous a vu. Il nous tape. Faut qu'on les aide. Mort. Faut que je mange. Délai. Ils sont trois. Je mange. Mangez dès que vous prenez une balle, mangez directement. Il a brûlé le navire.
Fumez, fumez, fumez. Allez, on y va. Et les trois sont remords, on peut aller se cacher sur l'île, je pense. Ouais. On va se suivre. Suivez, Ben, okay, tu les emmènes en haut. Ouais. Tu les emmènes en haut, tu les mets à mon spot en dessous de la tour. Ouais, je vois. Y'a un mec en haut, y'a un mec en haut. Ouais, je te suis. Venez sur l'île. C'est bon, tu l'as tué. Faut envie de partir avec les squelettes. Vas-y, vite. Ouais. Là, vous suivez l'aine, c'est bon. Suivez l'aine, les gars, Philippe, Martin. Ouais, je le suis. Maniez-vous parce que là le timer il est lancé. Hein. Quand on les tue, les respawn, s'ils nous voient faire ça, on est baisé. Attends, les un peu, Len. Ouais. Ouais, t'inquiète, on va. C'est bon, on suit. Parfait. C'est bon, vous remontez. Allez, là, vous remontez encore, tac. Là, vous allez monter une échelle et vous allez vous arrêter sur la droite vers le milieu. Il y a une sorte de petite cage, vous allez monter dessus. Et vous vous arrêtez juste avant de monter à la fin et vous faites un petit saut vers la droite. Attends, redis. Ah, l'échelle elle est là. Ouais, et là tu montes pas juste en haut. Tu tombes sur la cage. Quand t'es sur l'échelle. Descends un peu l'échelle. Mais comment tu sautes? Là. Tu lâches l'échelle et tu perds. Regarde à droite et t'appuies sur F. Plus haut, faut que tu te mettes un peu plus haut. Voilà, c'est bon. Regarde à droite, t'appuies sur F. Voilà, c'est bon, quand même. Nice. Et nickel, vous venez à l'intérieur et vous mettez en émo furtivité. Ouais. Tout le monde est là? Ouais, cachez-vous vite. Ouais. Furtif. Est-ce qu'il y a une tour dessus, frérot? Non, c'est bon. Ouais. On est bien caché là? Ouais. Mais ça, c'est nickel. Ouais. Oh, c'est une folie. C'est incroyable. C'est dommage, on s'est fait spotter. Putain, ce bâtard, il nous a vu. Ah ouais, il a check partout. En vrai, vous auriez pris ma cachette, les gars. C'est bon, je pense. Faut toujours... Len. J'aime pas la cachette. Ça va? J'aime pas la brigue. Ah oui, la brigue, ouais. Bon, la brigue, c'est compliqué de se cacher dessus, ouais. Non, mais mec, bah, à 4 dessus. T'as pris la deuxième cachette en ordre de prio. On aurait tous pris le tonneau du fond, ça se trouve ce qui s'est passé. Wesh! Oh, c'est qui a tiré? C'est toi, plus à gauche! Voilà, là! Ouais, ils vont rien, ça. Y'a rien dans leur nippie? Y'a quelque chose, hein, je crois. J'arrive pas à savoir si c'est quelqu'un ou. Ils se barrent avec le bateau! Imagine, c'est loot. Ouais, t'inquiète. Ils se barrent, les gars. J'ai vu qu'ils vont revenir, de toute façon. On va se faire oublier, les gars. Ouais, mais ils savent très bien là c'est amateur de malade ce qu'on a fait. Mais au moins vous avez un avant-goût, les gars, de ce que c'est. Ouais, que, ouais. Là, vous avez tout là, les gars. Mais tu vois, c'est délicat. Un truc, une égratignure, un truc, c'est fini. Les mecs, regarde comment ils agissent. Dans ce jeu, genre, là, ils se barrent direct. Ils vont à l'arche là? Non, il tourne vers la droite. Comment vous les voyez, wesh? Là, tu tournes ton viseur un petit peu et ils sont derrière le poteau. Oh, tu tournes un peu ton viseur là. Ah, ouais, je le vois là-bas. Ah, il cherche peut-être notre. Je sais pas ce qu'il cherche, frérot. Y'a moyen qu'il cherche notre navire, non? Move parce qu'ils sont un peu paniqués, frérot, et ils ont un peu peur, c'est tout. Là, ils reviennent. Ouais, c'est ça, ils doivent faire. S'ils reviennent, ce serait terrible. S'ils reviennent, les gars, on va se faire checker, donc ne vous levez plus, les gars. Et là, il y a moyen qu'ils nous voient pas. Hein. Bah là. Il y a aucun moyen, franchement. La complication sur cette île, les gars, c'est que si vous vous cachez autre part que ici, eh bien, les squelettes vont vous tirer dessus. Les squelettes, ils te voient là, qu'il n'y a pas de problème, ils te voient partout. Ouais. Bah, du coup, c'est la seule cachette viable, quoi. Ouais, et du coup, si t'es spot, bah là y'a plus de solution à part les rochers autour dans l'eau. Quoi. Mais là, tu vois le problème aussi quand t'es spot, Kamel, c'est que les mecs ils regardent direct Twitch. C'est ça le problème, frérot. Ah, bah oui. Et du coup, tu sais, genre, ils se disent oh là, y'a des mecs qui se cachent, ils ouvrent Twitch. Et là, pan, ils tombent sur ta chaîne. C'est terminé. Hello. Mais là, tant qu'ils viennent pas nous buter en mode instant, c'est bon. Arrêtez, ils sont là, AFK, les gars, on vient de se poser. Quel AFK, les gars? C'est 10 minutes l'AFK. Ils ont tiré au canon? Ok. Je sais pas ce qu'ils. Non, mais ils sont paniques. Elle était pas là-bas, notre barque? Non, mais ils sont en panique, frérot. T'inquiète, la barque, c'est pas un souci. N'importe quoi. Hey, ils doivent être comme des oufs dans leur vocal. N'hésitez pas à faire échappe paramètre de temps en temps juste pour trigger l'anti-AFK. Ah, c'est comme ça qu'on le fait?
C'était une habitude, mais apparemment ça sert plus à rien, mais c'était une habitude. Maintenant il faut se lever quoi. Ah ouais? Ouais mec, t'es... t'sais avec Squeezie Doig j'avais fait ça la dernière fois. Mais c'était quand? C'était quand? C'était avec toi? Ah ouais non mais ça c'est parce qu'on était restés allongés 2 heures wesh. Non, nous on s'était levé. Toi et moi mec, on s'était levé. Ah ouais? Ouais, et Doig et Squeezie sont pas levés. Ah ok, je m'en rappelle plus. Ils se barrent là. Ouais. Ils se barrent là. Qu'est-ce qu'ils font là? Je regarde le pof de laine. C'est vers Crooks, c'est ça? Vers Ancient Spire. Ancient Spire? Y'a quelqu'un sur l'île? T'es, tu garantis à 100%? Ils ont pas envoyé au canon quelqu'un d'ailleurs? Y'a un mec sur l'île, y'a un mec sur l'île. Ah, il doit check. Ouais. Ah, il va check. Ils l'ont envoyé au canon et il check, c'est ça? Exactement. Ouais. Ah, ça veut dire qu'ils étaient pas loin dans leur quête ici, c'est ça? Non, mais ils veulent finir en fait, parce que en gros. Quand tu entames ce fort, frérot, pour activer le fort, c'est giga cancer. Ok? Genre, il faut que tu ailles chercher les lanternes. Donc, la lanterne, c'est quand tu crèves d'une certaine manière. Et quand t'es dans le spawn, t'as vu là, quand t'es mortel. Ouais, il y avait écrit lanterne. Voilà. Et la manière dont tu meurs te donne une lanterne d'une couleur différente. Donc, quand tu meurs d'un requin, par exemple, ça te met une lanterne bleue. Quand tu meurs de la foudre, ce qui est giga dur, tu prends une lanterne violette, j'en sais rien, un truc comme ça, tu vois. Et après, une fois que t'as toutes ces couleurs-là, là, t'allumes le fort et tu peux le lancer. Mais en gros, t'as des lanternes, genre comme la foudre et des trucs comme ça, qui sont trop chiants à aller chercher. Ouais, ok. Donc ça met du temps. Je suis jamais allé chercher, les gars. J'ai touché que voler ce fort. Je suis jamais allé chercher les trucs. Allez. Là, faut juste croiser les doigts pour que le mec il trouve personne et. De toute façon, là, il va juste faire un check, il va voir qu'il y aura personne, parce qu'il va pas trop, parce que c'est un touteux. Il va dire, c'est pas toi, mais c'est bon, ils sont pas là. Et non, mais hey, mec, t'es. Ça... Là, tu me dis que t'as fait des vols comme ça? Mais. En 2021, t'as fait des vols comme ça? Bien sûr. Ok. Mais gros, enfin, les mecs se bavent dessus quand même. Hein. J'en sais rien, mec, j'en sais rien. Je tiens c'est à dire à l'équipe que je n'ai pas mis une balle. Ah ouais? Ah bah tu m'as dit survivre c'est plus important. Ok, mais t'as mangé du coup? Ah oui, j'ai fait que de manger. Ok, c'est parfait. Ça, manger, je l'ai fait. Non mais ça c'est parfait. T'inquiète Kamel, je l'avoue aussi, j'étais pas le seul. J'ai mangé aussi, j'ai mangé mais j'ai pas eu le temps de mettre 2 balles. Mais tu les as vus ou pas? Ouais, à chaque fois ils étaient morts. Et quand je courais, bah ils étaient déjà morts et vous avez déjà terminé tout le monde. Après je suis parti. Lenny est chaud les gars, Lenny est chaud. Lenny a tout fait. Ouais, c'est tout ce que je... Faut pas mourir, c'est tout. Et après, C'est parfait parce que quand tu crèves, c'est encore pire. Bah, tu retournes au bateau. L'un de nous doit te res. Non, parce que quand tu crèves, t'es à genoux pendant genre 7 secondes. Et l'un de nous doit te res, sinon t'es mort. Et là, t'es au bateau. Du coup, on va plus être une plaie pour vous que d'être. C'est ça. Ok. Alors que si tu restes en vie, t'es comme une cible, donc c'est cool. Non, mais no joke, je vais garder ce gameplay. On mange. Par contre, j'ai plus trop de bouffe. Essaye de caler une balle de snipe, vraiment, mec. Ah, oui, non, mais en gros, je cale une balle de snipe que quand je me sens safe. Et comme ça, je deviens pas une plaie. Et si jamais on peut se battre, on se bat. T'inquiète, je vais pas faire que de me cacher. Échappe à mettre, les gars. T'as vu? Là, c'est un game de patience. Thomas. Pesquet, il a tweet. Putain, j'arrive plus à le dire à cause d'Amine. Eh, c'est vrai qu'il nous a brouillé, lui. Hein. J'arrive plus à le dire à cause d'Amine, wesh. Pasquier? Non, Pesquet, wesh. Pesquet? Ouais. Pas Pesquet. C'est Pesquet. Pesquet, je crois. C'est pas Pesquier, frérot. Bah oui, mais j'ai dit Pesquet, moi. Non, t'as dit Pesquier, là. Ah merde. Hein? T'as dit Pesquier, frérot. Ah ouais? Pesquier. Hein? Non? Bah il a fait quoi? Bah il a tweet. Il a mis sa pépé en pixel. C'est le chef des fusées, wesh. Len, tu le vois là? C'est pas vrai. Hein. Non. Pourquoi il est reparti? On a dit que ça avait des loot, putain! Ça avait déjà parti, on a vu. Non, pas le nid de pie, frérot. Non, mais il m'était en bas. Ils avaient. Mais il est déjà parti sur un mec! Ah, ils avaient un grog. Non, ouais. Et mec, est-ce qu'ils iraient pas sur un serveur hop? Non, impossible. Ça n'a pas de sens. Moi je te dis. C'est quoi le but? On va voler. Faut un checkpoint de fable pour prendre la TP.
mais bon. Cancer. Moi perso, j'ai vu juste à l'outfit des mecs, j'ai compris en fait que c'est des mecs du père. Hein. Je les vois plus. Ah, je les vois. Ils sont où? Tu vois? Ah non, je les vois. Moi, je pense qu'ils sont partis vers le. Vers l'est, vers le. Là, tu dis, ils sont partis pour vendre un grog. Mais tu sais qu'il y a grave moyen. Hein. C'est quoi un grog? C'est quoi un grog? C'est un coffre de merde, mec. C'est un vieux coffre de merde. Quand tu le tiens, t'es bourré. Mais. Ah, ok. Et ils vont revenir ici? C'est vraiment un coffre de merde. Bah, y'avait un mec ici qui vérifiait, mais. Mais ils l'ont pas laissé tout seul en bas quand même. Bah en vrai il s'en bat les couilles, s'il crève il risque de s'en aller. Ah ouais c'est vrai, je suis con. D'ailleurs lui il est mort ou pas Len? Tu l'as entendu? Mais on l'aurait entendu mourir non? On a entendu des coups de feu un moment mais ça arrêtait très très vite. Donc je sais pas. Okay. Ouais, genre, après peut-être il s'est suicidé dans l'eau non? Non parce que vu qu'il a mis un pied sur l'île, soit les squelettes l'ont fumé, soit il est parti lui-même. Ah ouais y'a pas un truc aussi? Y'a pas un truc aussi, si ton navire il est trop loin, on peut te TP? Oui c'est ça, enfin si, dans le sens où t'as une sirène qui apparaît à côté de toi. Ouais voilà, la sirène là tu vas dans l'eau, y'a une sirène qui pop, et c'est aussi un moyen de se faire griller ça. Et ça y'a rien que tu puisses faire, y'a rien. Mais on l'aurait cramé s'il avait pris ça. Alors franchement, non je pense pas. Ok ok. S'il avait pardon my god. Donc là on va attendre encore 5-10 minutes frérot et puis on va voir ce que ça donne. C'est un jeu de patience, hein. C'est vraiment. Mec, c'est vrai que c'est plus fun d'attendre dans un bateau, c'est sûr. Mais c'est un jeu de patience. En fait, si on n'attend pas, ils vont forcément se sentir menacés. Si le mec il reste là 10 minutes et qu'il n'y a rien, ils reviennent, c'est pas grave, on reste. On attend. Au pire, on a un backup là qui est en train de se faire. Ouais, ouais, en fait, ça, pendant ce temps-là, on a des gars qui cherchent d'autres serveurs. Ah, vous êtes chaud. Bah, ouais, parce que mec, t'es obligé, sinon t'as rien. Mais j'ai quand même envie de faire un serveur neutre hein, avec vous. J'ai quand même envie d'essayer un serveur neutre genre. Serveur neutre, ça veut dire on y va à l'arrache et on. Et on navigue et on cherche un bateau, ouais. Ok. Parce qu'il y a des bonnes rencontres aussi à faire. Il y a des. En fait, quand. Si on a de la chance, mais de ouf, on tombe sur des mecs qui commencent, tu vois, qui débutent. Et ça, mec, ça c'est au début du jeu, on s'est régalé là-dessus. Bah, tu fais passer pour un PNJ. Waouh. Et mec, genre tu modifies comment ta voix. Tu tomber dedans, genre c'est impossible. Je te jure, avec Sendai, il y a un moment, on s'est fait passer pour un PNJ, c'était incroyable. Ah, c'était le truc le plus drôle. Je me dis que Kamel, en vrai, je parle comme ça, devant eux. Je vais parler comme ça, je dis Welcome to the Sea of Thieves Challenge. Et les mecs, ils y croyaient, mais dur comme pierre. Tu sais, je marchais sur leur navire. Okay. Ouais. Et je marchais sur leur navire, frérot, et je leur donnais des quêtes, mec. Je dessinais des tops sur leur carte et ils suivaient la top, je te jure, mec. Mais mec. Ah non, merde, faut que je le règle. Ah, mais c'est impossible. Trouver des gens comme ça aujourd'hui, c'est chaud hein, en 2021, quoi. En 2022. Parce que y a plus trop de débutants dans le jeu, y a plus que des experts. Y'en a forcément, mais faut avoir de la chance. Vas-y, là, ils sont allés où là? Mec, ça. Len qui monte en haut, Len. Pour check. Ouais. Il venait de commencer, non? S'il venait de commencer, ça se trouve, il s'en bat les couilles, hein. Pour moi, il venait de commencer, non? C'est tricolore, je crois, il me semble. C'est tricolore? Je crois. Bah, ils sont vers la fin, alors. Ouais, là, on voit bleu, blanc. Et il y avait un rouge, ouais. Ok, bah ouais, c'est tricolore, c'est bizarre. Ça se trouve, ils s'en battent juste les couilles, frérot, non? Moi, bah, je pense, hein. Bah, je pense qu'ils se connaissent pas, surtout. Ok, avis d'expert après l'analyse de la situation. Je pense qu'ils se sont fait voler il y a pas longtemps et du coup ils se disent nique sa mère. Je préfère pas l'avoir que me refaire voler. C'est possible, c'est possible. Bah, surtout que oui, on les a tous tués plusieurs fois, je crois. Et du coup ils se disent peut-être ça vaut pas la peine d'essayer quoi. Pour pas perdre de temps, du coup ils ont dû partir sur un autre serveur. Après ils sont allés vendre justement ce qu'ils avaient, enfin le peu qu'ils avaient. Et ils ont barré la slip quoi. Les gars là, on attend qu'ils reviennent. Les gars, là, en fait, c'est simple. Pour ceux qui ont jamais joué comme moi et qui comprennent rien comme moi, bah là, on est venu, on s'est fait cramer. Du coup, on a essayé de se cacher dans leur navire en face. Ça a pas marché parce que le mec nous a recramé. Et derrière, on est parti se camoufler dans l'île en attendant qu'ils reviennent. Okay. Là, ils ont une big mission qui dure une heure pour avoir des méga corps. Si vous avez des forts normaux. Et apparemment, ils étaient à la. Ça fait des interactions, frérot.
Les forts normaux, j'en suis sûr. Le problème des forts normaux, c'est qu'il y a personne qui les fait, mec. Y'a aucune vanne. C'est qui a tiré? Ah, c'est moi, c'est moi. Ah, j'ai rien fait, moi. Je suis dégoûté, je croyais que ça avait tiré. Arrête, tu peux te lever là, hein. Je sais pas pourquoi t'es allongé encore. Je me suis levé il y a pas longtemps. Mais là, c'est bon, ils sont même descendus, nos potes. Vas-y, y'a longtemps. On est en furtivité, frère. Je sais pas, par contre, ils sont passés où, hein. Check. Mec, ils sont allés faire une quête dans les roars. Je vois ce qu'ils sont fait. Hein. Arrête de tirer! Mais frère, je pensais que je l'avais mis. Ça sert à rien de tirer sur le squelette, c'est invincible. Non, mais je voulais. Ok, je voulais tester pour voir si je mettais des têtes. Invincible, ah ouais. Non, c'est pas raté, les gars, j'ai testé une tête, ils sont invincibles. Bon, elle est rageuse. Essaye de sauter et prendre l'échelle là, Kamel. Comment ça, sauter et prendre l'échelle? Saute et prends l'échelle. Attends, comment ça, sauter? T'as pas besoin de sauter? Je sais pas, bah, prends l'échelle. Voilà. Ah, t'es chaud, bien joué. Tu te chies dessus, frère. Si t'appuies plusieurs fois sur ta touche de bouffe, tu peux choisir de manger un truc qui te rend moins de bouffe. Parce que du coup. Ah ouais, ça. Ok. Mais là, j'ai que. Non, mais là, j'ai que ça. Ok. Bah, tiens, prends ça. Tiens. Merci. Nice. Good to know. Là, ça a l'air un peu désert. Ah ouais, là, c'est. Bah, ils ont si on prend le bateau, on prend le bateau, on cherche vite fait. On peut, hein. Bah, je pense le temps que vous allez chercher l'autre, savoir, ça sera déjà prêt. Hein. Ah ouais. Bah là, il est prêt dans 2 minutes. Ok. Et c'est quoi ça? T'as un dommage, on allait le faire. Ouais. C'est ta faute, Kamel, t'as fait. Mais après, les mecs, enfin, les ennemis, je sais pas. Moi, je me suis carrément. J'ai repris le temps de me rallonger, hein. T'as tiré dans avec les canons, ils nous ont repéré. Souris 4, Len. Ah, je peux aller voir sur le bateau, là, je reviens à la nage. On va voir. Direct. Moi, j'aimerais bien savoir le spot, là. À droite, attends, bah, suis Len, derrière. Enfin, les gars, quand il y a plein de corbeaux, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est mort récemment ou rien à voir? Non, rien à voir, c'est juste de la déco. Putain. Non, ça veut dire qu'il y a un navire en dessous. Ah ouais? Ok, nickel. Sud-ouest, y'a plein de corbeaux alors. Les check Reaper 4. Ah, tu les en give up, ouais, ça me prend. Ah non, c'est nord-ouest. Ouais, ils sont plus. Ils ont retiré le drapeau, ces noobs. Ouais. Non, mais j'hallucine, mec. J'hallucine. La honte. Tu vois, c'est ça le problème de ce jeu, c'est dès que les mecs, tu les aggro un tout petit peu, ils ont trop peur et ils se barrent, tu vois. Genre là, ils avaient rien à gagner, rien. Mais ils doivent connaître le système. Bien savoir qu'on était là pour les tuer. Ils ont dû se faire tabasser 2-3 fois et ça les a le calmé. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense qu'ils se sont déjà fait voler en fait. Ok, vas-y, on va quitter. Vas-y. Oh, on mettait plein de PEP W, je comprends pas. Tiens, ouais. Tiens, les gars, faites péter le baril. Faites péter les barils, vous allez voir. Vous allez voir un peu. On va faire péter les barils. Tiens, vas-y. Tu vois des barils? Tire dans mon baril, le sniper là. Et où, frère? Je suis en dessous de toi là. Là, y'a un baril là! Vas-y! Tire dessus! Oh, mais tire! Tu parles à moi? Tire dessus, les gars! Ah là! Ah, c'est toi qui as tiré, Kamel? C'est pas toi? C'est pas moi, frère, c'est toi? Bah non, c'est pas moi non plus, je trouvais pas le baril, moi! C'est un squelette! C'est un squelette, non, mais vas-y, fallait rien dire, frère! C'est pour être sûr, parce que moi, j'ai pas tiré dessus! Peut-être que toi, t'avais tiré dessus! Et on est setup, vous pouvez join? Vas-y, je suis en train. Là, prends ton. Oula, Len, ce que je viens de voir. Non, dites rien. Dites rien. Je rejoins qui? Je rejoins Len? Ouais, tu rejoins Len. Il est meilleur suspect, celui d'en bas. Hein. Ouais. C'est source fiable qui t'a filé? Oui, toujours. Oui. Pas de sneak ici. Ouais, c'est lui, il est bizarre. je vais regarder. Donde esta? Comment ça, lui, il est bizarre? Dites-moi quand on peut rejoindre. Écris. Tiens. Ok, les gars, vous pouvez me join. Okay. C'est parti. Il y en a qu'un seul qui va pouvoir join, donc. Parce qu'il y a encore. La personne n'est pas partie encore. Bah, je crois que j'ai fait plus vite. Ok, celui-là, ça marche, les gars. C'est quoi comme navire? C'est Galion? Dis-moi Galion. Ouais, toujours. Let's go. Le navire en face? Ouais. Ok. Aucune idée.
merde. C'est la surprise. Ça va être un... Non mais j'aime bien, c'est la surprise. No joke, c'est bien. Ah, ça veut dire qu'ils sont plusieurs, non? Non, c'est Vladimir, ça. Échec de la connexion. Ouais. Ah, j'ai pas pu rejoindre, moi. Faut que je relance. Non, vraiment, lui c'est bon. Le okay. C'est... Ah, quoi que, remonte le... Ben, la carte. Il a eu la place, je suis dégoûté. Ok. Ouais, non, ok, il est un peu bizarre, lui. Oh, c'est pas grave. Ok. Kamed, tu peux pas join là, on est d'accord? Non, je peux pas. C'est bon, il a quitté, vous pouvez join. Ah. Non. Brief-moi, ok, c'est bon, tu m'as... Rejoindre. Et c'est reparti. Allez les gars, allez. Join. J'ai senti que vous avez paniqué sur l'attaque, les gars, mais c'est pas grave. Ah merde, je suis mute depuis tout à l'heure, les gars. Voilà, je suis en gig. Diète SST 1000 bots. Ah. C'est le truc le plus drôle de l'histoire. J'ai bien dit 17 000. Ok, quand vous arrivez, les gars, essayez de streamer le moins possible les détails, les cartes, les alentours, ok? Oui, chef, alors, oui. Regardez vraiment, tu regardes le sol, tu vois, et prenez des fruits. Essayez d'en laisser aux autres, tu sais, genre, tu prends, avec clic droit, tu prends genre deux mangues, deux grenadines et... Une banane. Truc, tu vois. Non, prends pas, évite les bananes, vraiment, genre. Ok. On m'a dit les noix de coco, c'est encore pire. Non, noix de coco, c'est mieux que banane. Ah, ok. Hop là, 5 noix de coco, j'ai mes armes. Pas 5 noix de non, coco, non, idiot, prends des grenadines. Non, non, y'en a ici, t'inquiète, t'inquiète. Y'en a dans la barque. Dès que vous êtes prêts, les gars, on prend la barque et on y va. Poulet, c'est de la frappe, non, le poulet? S'il est cuit, oui, s'il est cuit, oui. Ouais, il est cuit. N'oubliez pas de prendre des boulets de KO aussi. Prendre quoi? Des boulets de KO. Dans le canon, ouais. Ah, parce que je me disais, tu faisais des boulets de KO. Putain, oui, peur, c'est là, le nom. J'ai peur, ce que tu m'as dit. Genre, il y en a pas. Ils sont juste ici. Juste ici dans la petite caisse. Ah, ça fait chier. Vas-y, pose-toi, maintenant. Frère, relève ta main. J'ai pas fait exprès, Comment on jette? C'était il miss bot. Ah, bah bon. Il faudrait plus sur la touche. X. Tu peux poser, je crois. Ah mais là la caisse elle est géchard quand même. Et les boulets de KO en fait c'est très pratique. Si vous avez plus de balles, vous pouvez les lancer sur les adversaires. Ah c'est les grenades quoi. Mais faites gaffe à Bateka, C'est grenade incendiaire, ok no worries. Incendiaire c'est chiant parce que tu vas nous... En fait incendiaire c'est plus pour aborder comme chez les mondes. Ah non là c'est KO là que j'ai pris. Ok. Ah c'est parfait. Mais... Je te dis pourquoi, les pas le lancer parce que du coup tu vas nous cramer aussi, quoi qu'il arrive. Les gars il y a un bateau en face, no joke. Non, hey, je t'ai dit quoi? Merde. Viens voir. C'est un bateau squelette, t'inquiète. Ah, c'est un bateau squelette, désolé. Ok. Venez, on y va. Allez. Ah, mais je cherche la. Ok, c'était là. Je jure, essaye de streamer le moins possible. Ok. Le sol, les trucs. Attends, mais on a une... c'est une chaloupe canon, ça. Ouais. Ça va être gravegolerie. Quand tu tires, ça va pas plus vite dans l'autre sens? Non. Ça te propulse pas en arrière, genre, quand tu tires? Si, ça te propulse, mais légèrement. Quoi. Ah, ça aurait été trop marrant, frérot, de pouvoir speedrun comme ça. Du coup, j'essaye directement de me mettre sur leur bateau ou C'est Brig. Je sais pas, je crois. Puis on verra. On s'approche et on avise, mais honnêtement. Ouais. J'entends pas de tir de canon. Ils font encore les boss au canon? Non, ils les font plus. C'est les traders, non, qui font canon. Il y a une nouvelle technique, c'est avec les tridents, les je crois. Ouais. Après, ça a pas été nerf ça? Aucune idée. Okay. Ok, Bibi, Kamel, vous êtes prêts les gars? Ouais! Je suis prêt! C'est quel genre de bateau là? Là c'est pareil, c'est Brig les gars! C'est le même! Et du coup on va se mettre où? On se met où? On se met à côté de la carte là, c'est le mieux! Ok. La carte. Attends, redis, c'est à côté de la carte? Ouais, c'est bon, je m'en souviens. Ouais, à côté de la carte. Là on vise le rideau même! On vise le rideau! Ouais, c'est bon, Non! C'est à côté de la carte, là. Tu vois là où on était, Kamel? Ah, là on était, ok, Non, non! Ah, on était en face! T'as la map et sur la droite! Ah oui, okay. Là-bas, là où eux, ils étaient. Ouais, voilà, exactement. Ah ok, c'est bon, calme. Moi c'était juste pour que tu te repères, je disais là où on était. Bah ouais, parce que tu me dis là où on était, c'est pas là où on était. Bah ouais, là où c'est on devant. Était, tu regardes là. Alors c'était devant, là où l'Oclear il était. Exactement. Ouais, c'est Kamel, bon, regarde le sol, hein. Tu regardes le sol? Ouais, je regarde les pieds là. Ok, parfait. Ils sont beaux tes pieds? Non, en tout cas ils sont horribles, hein.
Eh, parle bien de BP, wesh. Il y a concentration. Faut faire ça propre. Une brique, c'est très dur. Les gars, c'est très dur de passer à spot sur une brique. Mais si on a de la chance, ils sont tous les trois en train de farmer sur l'île. Et nous, on va docker. Et en gros, c'est docker, c'est... On amarre directement notre barque sur leur navire. Et boum, on peut directement descendre dans la cale. Sans prendre les échelles, tu vois. Okay. Sounds good to me. Et si on arrive à faire ça, c'est ultra pokchamp. Tu les vois, Alain ? Je les vois. Ouais, ouais, c'est une brigue. On arrive bientôt, Shao Plooper ? Bientôt, ouais. Là, dans 1 minute 30, c'est 1 minute 30. On y est. Je fais bien le contour pour pas me faire repérer. Putain, tu t'appelles plus Phil. Putain, il a dit contour, ça me fait penser à la blague avec les contours de Yaya Touré. Ça se voit, je suis fatigué, mais mon cerveau il fait des liens. C'est incroyable. Non, mais. Oh, le vocal il va être toxique. Mon rêve, ils ont le micro in-game, mon rêve. Est-ce qu'on peut faire des trucs. Est-ce qu'on peut faire des trucs en mode. Des fois, genre, on fait des bruits bizarres et tout pour leur faire peur. Non, pas okay, là. Okay. C'est pour ça que je veux faire d'autres forts. On va faire d'autres forts. Parce que là, on peut pas rigoler. Ah, ok. Vas-y. Enfin, ça dépend. Oh. Si vraiment on voit qu'on sont giga nuls, on peut. Mais tu fais un bruit. Tu perds une heure. Ouais, non, je suis d'accord. Parce que les mecs, ils vont te chercher pendant une heure. T'as vu là, on s'est fait spot une fois. Les mecs, ils sont partis. Tu vois, donc. Ok, c'est les gars, préparez-vous. 40 secondes, je vois un mec sur le top. On peut relever la tête ou pas là? Ouais, là tu peux. Ouais, relever. Vas-y, relever. Ben, il va d'autres. Tout droit? Ouais, ouais, bah là, je suis obligé, ouais. Godoc. Okay. C'est stacké avant. Il y a des copes déjà, il y a des. Oh, il y a un mec dessus. Arrête-toi avant de docker. Stop. Bah, je peux plus m'arrêter là. Oh, okay, il vient de descendre. Vas-y. Hop, c'est bon. Okay, vas-y, go, les gars, au fond à droite. Ils sont stackés. Ouais, cachez-vous. Bon, tout le monde est caché là, c'est bon? Nickel. Ouais. Y'a un mec qui vient de spawn. Oh, c'est incroyable, wesh. Je suis pas dans le bateau. Non, Sprinty John, Bibi. Je suis pas dans le bateau, mais je suis même pas monté encore sur le bateau, moi. Je fais quoi? Mais il a dit on va docker, il a jamais dit de sauter, je t'ai vu sauter, ça l'idiot. Oh, j'ai sauté, bah ouais. Ok. Oh, il parle. Bibi, réponds-lui, dis-lui que t'es tout seul. Ils sont attaqués, je crois. Ils sont attaqués. Bibi, réponds-lui, dis-lui que t'es tout seul. Il est parti. Et on est dans leur bateau, nous. Bibi, sur l'île, sur les rebordures, sur les rochers, tu te mets à genoux, ok? À plat ventre. Les gars, on est tous bien cachés là ou pas? Bibi nage vers l'île. Essaye de te cacher sur. Lorsque je me suis bien mis ou pas? Vas-y. Mais pour vous dire, il y a sur l'île. Pour vous dire, il y a un autre bateau, hein. Il y a un autre bateau. Bibi, cache sur l'île, comme ça tu nous donnes des infos de ce qui se passe à l'extérieur. Bah, l'autre bateau, il est en train de frapper l'île là. Les gars, j'ai un problème. J'ai Altab et je peux plus re-Altab. Ma souris, elle fait des. Fais juste échappe. Attends, entrée. Ah, ok. C'est bon? Ouais. Mais comment t'arrives à. Vas-y, je me replace en fait, sur l'île tout en haut. Je voulais regarder ta POV, comment on était placé. Non, pas tout en haut. Sur les bordures, frérot, sur les bordures. Ouais. Comme ça, les bordures. Ah, ok. Non, je parle à Bibi. Ah merde. Et après, tu peux zoomer et dézoomer aussi. Et comment on dézoome? Un mec sur l'île. Avec la molette. Mais là, vu qu'il serait en mouvement, on est un peu la tête dans le sol. Ouais, mouvement là. On voit rien. Non, mais tant mieux que Bibi soit sur l'île, c'est génial en fait. En vrai, Bibi, tu te mets à l'arrière de l'île, là où on est arrivé tout à l'heure avec la barque. Ou sinon, ouais. Si jamais t'entends qu'il n'y a plus aucun bruit, là tu peux monter. Ça a tiré, il y a un mec qui s'est envoyé dans l'île. Si, parce qu'il y a un mec sur l'île. Il y a deux mecs qui sont partis sur l'île là, non? Avec le bruit là. Oui, c'est ça, exact. Bah, c'est un bateau à trois là, Bibi, il peut venir, non? Non, là il est en mouvement, je crois. Il est en train de se battre contre une autre brigue. Il y a un mec là, il y a un mec, je l'ai vu. Mec, Senda, t'as été raison. Ouais, ils se font chasser par l'autre bateau en fait. Ouais. Ouais, tu vois, c'est ce que je pensais. Ah, you almost made it, man, I try. I don't. Ah, let's go, s'il parle dans le jeu, c'est incroyable. Wow. Alors là, je t'explique. Il y a moyen qu'on se prenne un boulet, d'accord? Prépare-toi à re-emote, d'accord?
Voilà. On se remet, go emote, attente. Vous vous faites chasser. Voilà. On risque d'en prendre un autre, ok. Tranquillement sur l'île, j'observe. Recalé, ah bah votre bateau il coule là. Recalé. Votre bateau il coule hein. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Je mets un coup d'écope. Recalé les gars. Attention, vous venez réparer là. Putain, je crois que j'étais. Non. Je regardais un peu vers la gauche. Non, t'es bien, t'inquiète. Ok, ok. T'es génial. T'inquiète. Let's go. Là, franchement, parfait. Ok. Moi j'ai mon écope plein. Donc la prochaine fois qu'on se voit un boulet, Kamel, tu prends ton seau et tu. Il est là. Tu ramasses. Ok, non, c'est bon. Mais là c'est risqué parce que quand il répare c'est le moment où il faut pas qu'on fasse vite. Oh non, y'a un mec à bord. Oh, putain, non. Je peux peut-être prendre un truc là. Vas-y. Et ensuite tu dors direct, C'est fait. Ils vont couler là, je peux pas sortir. Sortez. Bravo, bravo. Vous sautez en gros pas trop à l'arrière. Ok. Ouais, ils ont trois. Ouais, ils ont coulé. Fais gaffe à toi, fight. Ouais, dans l'eau. Je suis mort, wesh. Comment je suis mort? Il est mort. Ok, vas-y, reste le. Ouais, j'arrive, te réanimer. J'arrive. J'ai pris une balle. Mate à one. Ah, je me suis pris un boulet de canon pendant que j'essayais de le réanimer. Je peux le reste. Non, c'est un boulet de canon. Pas grave, nage, Len. Ah, c'est terrible. C'est Bibi là qui. Je peux venir à la nage ou pas? Non, surtout pas. Non, je. Moi, je reste. Moi, je fais quoi? Je prends l'eau, Locke, ils sont en train de nous regarder. Ouais, je sais. Tu fais quoi? Tu t'étouffes, c'est pas grave? Ouais, je vais nager le plus longtemps. Mais pourquoi ils se sont fait fumer comme ça? Mec, ils ont gigaloot, hein. Ils sont gigaloot, il y a problème à l'antenne là. Ouais, je pense. Il faut que je fasse quoi une fois que je rentre dans la porte là? Tu vas respawn sur le navire et en vrai, tu vas regarder. Je regarde si y a un antenna dans l'eau. Tu m'as dit quoi? Tu vas regarder la carte dès que tu respawns. Ok, t'es sûr, hein? Je cache mon écran quand je regarde la carte? Non, justement, il a besoin de voir. Ah, ok. Ouais, faut que je vois. Je vais regarder sur stream. Putain, oui, c'est vrai, c'est là-haut. Ils avaient 4 crânes rituels encore pour en relancer 4. Tu veux faire quoi pour regarder voyage? Les couilles! Non, ça, c'est pas non, non, c'est au premier étage. T'as une grande carte. Ils cassent les couilles vraiment. Ok, ils sont toxiques, hein, donc faites attention. Ils sont en train d'insulter derrière moi. Donc, mutez le son du jeu, je pense. Ok, je vois la carte. Y'a un mec qui est arrivé en speed, frérot. Derrière toi. Voilà. Derrière moi. Ok, c'est bon, tu peux lâcher la carte. Je crois qu'il m'a pas vu. Mais ils sont vraiment, genre, ils insultent vraiment, vraiment. Ok, t'inquiète. C'est tout ce qu'on veut. Attends, Len, c'est du FR ou l'anglais? Je sais pas, anglais, je crois. Ok, qui insulte, les mecs de base ou les deuxièmes? Non, les deuxièmes. Ok, bah. Ils ont des pseudos bizarres aussi, hein. Ouais, non, mais. Attends, je t'envoie un peu. Oh lol, putain. Ouais, c'est ça. Oh, c'est une sirène, frérot. Non, j'en reviens pas. Là, je me fais attaquer par une sirène aussi. Oh, je dois faire quoi? Moi, je reste ici? En vrai, là, on peut monter sur l'île, je pense, rapidement. Tu restes là. Ouais, ça. Okay, j'arrive avec Bibi. Ouais, on joue pas le ship fight là, c'est pas possible. Non, c'est impossible. On est d'accord. Ok. Non, ce que tu vas faire. Y'a un mec solide, y'a un mec ouais. Solide. Ce que tu vas faire, Kamel, c'est que tu vas te mettre à la proue là. Tu vas te charger en bouffe. Ouais. C'est la meilleure bouffe du tonneau, donc dans l'ordre du plus grand au. Enfin, du meilleur au moins bien, t'as ananas, mangue, grenade, black, coco et banane. Ouah, t'es un roi. Faut qu'on tue les sirènes, hein, les gars. Tu prends le meilleur île, voilà. J'ai pris du poulet, c'est bien aussi. Non. Ouais, c'est bien. Ok. Tu prends la mangue, le poulet et la grenade, ok. Ok, nice. Là, tu vas te mettre à la proue, tu vas sauter à l'avant et tu vas nager à ton. C'est ça, la proue. Il y a quelqu'un sur moi? La proue, c'est tout à l'avant du navire. Ouais, ok. Ah, mec. Et je vais nager. Tu vas nager. Toucher là-haut? Non, tu vas aller vers tes potes. Et comment je sais où ils sont? Ah, bah, ok, bah, vas-y. Bon, tu vois leur blague. Il est mort aussi. Là-haut. Vous êtes tous morts là? Là-haut. Cover. Ah, mais c'est un boss lui! Attends, mais tu peux régénérer. Ouais, c'est le boss. Ouais, là t'as 5 minutes de nage, Kamel, pour aller là-bas. Oh, calme, lui, on touche pas lui. Non, mais là on est spotted. Mec, il faut que j'aille chercher des mines. Là, y'a plus personne sur l'île normalement. Ouais. Donc on peut vite reprendre des balles, reprendre la nourriture dans les tonneaux. Le bateau il se charge, il va se barrer, frérot. C'est trop triste.
Ouais, mais ils vont venir finir le. Non, mais port, le deuxième client qui enfin, les clients initiaux qui vont revenir quand même. Bah non, ouais, mais même ouais. Eux, ils vont revenir, c'est sûr. Ouais. Donc là, la situation, c'est qu'il y avait un bateau qui s'est battu contre un autre bateau. Et il y a un bateau qui est full loot. Il y a un bateau qui était en train de faire le fort, ok. Ok. Et il y a un autre bateau qui est venu casser les couilles, en gros, ok. Ok. Il est venu casser les couilles naturellement ou il est venu. Non, naturellement, je pense. Ok, ok. Et en gros, donc là, il a pété la gueule au premier. Les mecs sont trash talk, ils sont tous nuls. Et en gros, là, ils sont en train de looter, donc récupérer tous les loots qu'ils avaient, qu'ils ont drop dans l'eau, parce que tu sais, le bateau il a coulé. Ouais. Les gars, arrêtez de dire sprint. Je sprint déjà, wesh. J'appuie sur le shift en permanent. Donc là, maintenant, soit on mise sur les loots qui sont dans l'eau. Juste derrière toi, Bibi. Tu vois les bras que quand t'es sous l'eau. Soit on mise sur le fait que bah là c'est le boss, donc il reste plus qu'un mob à tuer. Et là il y a de nouveau un coffre à Athéna. Ok. Regarde, c'est vrai que je nage plus vite sous l'eau. Oui. Ok. Regarde derrière toi de temps en temps pour voir si t'as un requin ou pas. Ouais, il y a un requin. Le requin pour le tuer, c'est 3 balles de snipe. Dès que tu le vois, tu l'allumes, tu t'en fous. Ah merde, sinon, c'est 2 grosses balles de pompe au corps à corps. Par contre, tu feras gaffe quand le requin te met un croc, c'est 1000 HP instant. Donc, soit toujours au-dessus de 50%. Et il y a le bateau qui est en train d'arriver sur le fort là. Le même ? La brigue. L'agresseur ? Ouais, l'agresseur. Moi, je pense que je suis spot, frérot. Le squelette, il me tire dessus, il casse les couilles. Il y en a deux qui. Il y en a deux qui viennent d'arriver. Ah non, ils spot contre quelque chose. Tu peux le faire, Kamel, t'inquiète. Ah non, j'arrive. Non, mais je l'ai tué déjà le requin, je l'ai allumé. C'est pas ça, c'est que je suis arrivé dans le. C'est dans le ciel et je suis revenu dans l'eau. Pourquoi vous êtes tout en haut ? Pourquoi vous êtes tout en haut ? Parce qu'il y a les squelettes qui gardent en aggro si on est juste en dessous. S'il y a personne sur l'île. Ouais, mais quand ils vont mettre le pied sur l'île, c'est bon ? Faut qu'ils les attaquent. Il y a deux mecs. 3. Oh mec, j'ai tellement bien fait de me casser. Contre, ils vont 100% jeter une. Bibi, viens, tu me suis, on saute. Tu me suis, Bibi. On saute à l'arrière ou on saute dans l'eau, ok. Vas-y, viens. Saute, cours dans l'eau. Non, c'est bon. Si, ils vont venir 100%. Senda, moi je dois rentrer dans le bateau, moi. Vas-y, viens. Tu veux dire le navire adverse? Ouais. Non, là ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller vers Bibi et tout, là. Et tu vas te mettre derrière. Tu peux manger ou pas? Ça fait du bruit? Tu peux manger et casse-toi vite, juste après. Là, ton but c'est de survivre et de nager. Ok. Comme ça, tu pourras te réinfiltrer en groupe avec nous. Et si jamais il y a une ouverture et qu'il n'y a personne sur le bateau? Alors là, ça va être compliqué, je pense. Je vais pas te mentir. Vas-y. Ok, ils ont suivi Locke. Locke en tête ou on va se cacher? Il va falloir jouer à 4. Ok. C'est des FR, frérot, je crois. Ah, j'ai cru comprendre ça, moi aussi. À un moment, le mec il a parlé, je crois. Les gars, j'ai entendu, hein. Petite nage pour ma part. La première nade qu'ils ont envoyée, c'est là où j'étais. Et après la deuxième, c'est là où j'étais. Donc là où j'étais il y a 5 secondes. Jure, tu vas devoir revenir à la nage toi aussi? Non, c'est fini, je pense. T'en penses quoi, Senna? Ah, je pense que c'est mort là, ils attends, sont venus moi, deux fois là où j'étais. De qui c'est. Tu peux me faire. Len, tu fais un Windows G, tu mets joueurs récents et tu m'envoies les noms. Vas-y, si tu veux. On s'en sort vite. T'as les gars, j'arrive dans 23 minutes. C'est des mecs qu'on connaît. Non, c'est 8 minutes normalement. Non, je rigole, je suis trop. Ah, t'es à côté en vrai quand même. Nous, sinon, avec Bibi, on est cachés tranquillement. Ils nous ont pas vus. Mais du coup, là, il reste plus que le navire des Français et pas. Ah, c'est ça. Et les Français, bon, voilà quoi. Oh, on est tranquille. La coïncidence. Ok, la forteresse des damnés. Ça veut dire là, c'est bon. Et le truc, c'est que là. Kamel, t'es le prochain, je pense. Par là, la sirène. Mais pourquoi? Vous êtes con, quoi, vous voulez me bait? Mais ça, c'est les pires baits pour perdre 25 minutes où je nage. C'est même pas drôle. Ils nous ont vus. Ils nous ont vus, mais moi, ils savent pas où je suis, les gars. On peut le tuer. Ah, je suis mort. Bah, t'es mort. Non, il m'a KO.
Ok, attends, revive pas, je vais essayer de te... Ouais, je fais rien. Wesh, wesh, wesh. C'est qui m'a tiré dessus? Ah merde. Ok, oui, bon. Oui, ok, j'ai une idée, c'est bon, je vois. Je vois. Ah, on va changer de serveur, je pense. C'est le vieux baiter là? Non, c'est pas ça. Attends. C'est bizarre le pseudo en tout cas. Et du Red Bird 100%. Ok. Le problème, c'est que je claquais toutes mes balles sur le requin. Kamel. Ouais. Tu vas quitter et tu vas créer un serveur Galion. Ok. Et vous allez hunt... Ouais, vous allez hunt quelqu'un là. Et on va faire un naturel là. Parce que là, mec, il y a trop d'FR là. Là, c'est un giga SH, il est colossal. Hein. Ouais. En gros, je t'explique. Quoi, SH? SH. On stream hack. Ah. En gros, genre, les gars, on se doutait d'un truc, il y avait un bateau juste à côté, stationné, tu sais, qui attendait. Et en gros on bait quoi, tu sais, genre on arrive et là bizarrement les mecs ils arrivent. Genre vraiment les vieux casse-couilles qui puent la merde et qui se tapent pas. Ok, vas-y. Ok, vas-y. Donc tu peux créer ton serve et je te rejoins. Et t'as toujours le truc que tu m'as dit hein, sur Twitter. Ouais. Vas-y, attends, je m'en occupe et je te dis. Et ça c'est le problème, c'est que... C'est terrible parce que tu peux pas vraiment cacher si les mecs ils stream hack, tu vois, genre s'ils trichent tu peux pas te cacher quoi, c'est trop chiant. Bah tu peux rien faire, ouais. Vas-y, on va faire ça. On n'a pas eu de chance, on est tombé sur des mecs qui s'étaient déjà fait par un ban du jeu. Ah ouais, ouais. Et vous travaillez chez le Interpol ou quoi? Ouais. Non, parce que en gros... file moi les pseudos. En juste avec les pseudos des mecs, en fait on sait direct si jamais c'est des mecs qui jouent beaucoup ou pas, et si jamais c'est des joueurs récents mais qui ont l'air quand même un peu fort, bah généralement c'est des mecs qui ont été pas un bon. Mec, on est des geeks hein. Non mais vu comme vous êtes l'assurance dans votre voix, je vous crois les gars. Ouais, ça, on est des gros geeks mec hein. Okay. On s'est pas lavé sur SOT pendant 4 ans frérot. Baby, tu me dis quand c'est bon. Ouais, t'inquiète. Tiens, normalement, Lock, tu peux join. Et après, du coup, vous le join. Ouais, vas-y, lui. Calme. Je t'ai même pas en ami, toi. Ouais. Ok, vas-y, je te join. Ok. Ouais, tu peux déjà commencer à lever l'ancre, frérot. Check la carte avant, Kamel. Je suis en train de join. La carte? Ouais, check la carte et tu regardes un peu partout s'il n'y a pas un crâne. Ok. Ah non, c'est Bibi qui t'a join. Non, j'arrive là. Ouais, mais c'est Bibi qui a créé. C'est moi qui t'ai invité. T'inquiète. Ah, ok. Mais. Il doit regarder les navires rouges, non, c'est ça? Il faut que ça Kamel. Il faut que ça Kamel. C'est ça lui? Non, mais t'inquiète, Locke. Ok. Trust. Trust. Non, mais au final, là, en tout cas, ce bateau-là, la cachette, je la maîtrise bien. Bibi, il s'est chié dessus, les gars. J'ai pas compris, je te jure, je pensais que ça allait être comme bah, juste avant quoi. Ah, parce que eux ils ont dit on va doc. En mode on.